les gagner. Moi, je vous le dis, on gagne. Ah, Mais pour te dire à quel point le T92 il est nul, ce matin, enfin, ce matin, tout à l'heure en rentrant, le premier game que je fais, 8 assists, 2 kills. Ah Oh non, oui. oh non, j'entends un écho là. Désolé. Ah, c'est chez toi, putain. Ouais, c'est juste que je mettais le stream comme ça, j'ai le chat au cas où si ça discute. Oh putain, j'aime pas cette map. Et en plus, on a 8-0. Ah, cette map, elle sent mauvais. En vrai, 8-0 avec la 1050 fauche, il te peine pas. Avec le Foch? Ouais, Ouais, il me peine pas. en vrai, ouais. Bah, fais gaffe, y en a, ils ont de la hit à 400. Ouais, mais t'as du. T'es anglais de fou en vrai. L'avant là, t'as un blindage épais et anglais. Ça peine pas. J'ai tanké au moins 7-8 obus. Surtout que les obus à ce BR, en fait, si tu angles à 60 degrés ton blindage, ils perdent la moitié de leur pénétration. Par exemple, si Je t'as suis à 45. 400 mm de peine avec de la hit, si la surface sur laquelle tu tires elle est à 60 degrés inclinée, bah, tu divises en deux la pénétration. Là, je suis à 45 à peu près. De blindage? Par contre, je connais pas Non, cette d'inclinaison. degré, ouais. J'ai Et des bah bons alors, jeux, c'est par contre, j'ai spawn à l'autre bout, moi, par de contre. un tiers, de un tiers. 45 degrés, ça doit être un tiers. 45, tu passes à 100, quoi. Je prends en pénétration. Il reste plus grand chose, quoi. Bah, moi, je vais y aller, du coup. Ok, ça marche. À Allez, plus. bonne soirée à toi. Merci, tiens. Merci à vous aussi. Il y a des hélicos crachés ici. Ah ouais? Ah, c'est ça que j'aurais pu prendre. Un hélico? Ouais. T'en as des hélicos? Ouais, j'ai le premier, mais en vrai, il est trop bien. Ah ouais, moi j'ai le H34 Le Alouette. chez les Français, Ah, ça il pue est bien. hein. T'as vu? Moi je le trouve bien, il a des bons missiles. Le H34? Bah ouais, ça perche large. Hein. Oui, non, mais ça peine, non, c'est pas ça le problème, c'est qu'il est pas mobile. Ces Ah bah missiles ils ouais. sont pas non plus folichons niveau vitesse. Bah, c'est comme tous les hélicos quoi. Alors là, Pareil. c'est une pure injustice. Je lui ai touché les munitions, il est pas mort. Non mais je t'ai dit, le T92 il pue la merde. Ah oh, ouais, non mais sérieux. J'ai fait les munes en orange quand elles auraient dû être en rouge, oui. Avec le bout qu'il a pris. C'est de la ITFS. Hein. Bon, ce qui est bien avec le char, c'est que t'as pas grand retombé en fait. Avec la 1050 fauche, t'as quasiment que dalle de retombée. Bah ouais. Ah, tu verras, bah, de toute manière, commence à t'y habituer, c'est le même canon que le 50 sur Le BC. Leclerc. Non, 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 pas que Leclerc. Ah, Le mais je veux dire, premier. le fait est que t'as pas grand retombé en fait. Le C'est ça que je premier veux dire. canon qui ressemble au Leclerc que t'as chez les Français, c'est en 9. 9.7 Ah mon chat 9.7 oh, ça va. Avec la MX Bonjour. 40. Ah oui. Merci pour avoir Bonjour. fini le BMP1 parce que là les flingues Oh sont merde. fous. Il a résisté à un obus mon pote, j'étais. Oh non, non, non. C'est un traumatisme. Tiens, meurs toi. Au secours la ML, la ML. La ML. Oh, mais vas-y, les alliés. C'est fait. Aïe aïe aïe. Ah la fatigue. Oh, mais vas-y, en plus, ils sont beaux. Mais quel abruti. On va faire une sieste. En faire une. Voilà. Le rêve. Merci la ouais, MC, c'est au moins une fois. Moi je crois que demain par contre demain après-midi je vais faire. Ah bah non, non même pas, je pensais aller faire une sieste. Ah mais pourquoi? Mais il vient de là l'allié. Il a rien vu lui. Oh mais vas-y. Par contre je vais tout à fait sur une 2 chevaux. Ah. Je suis en train de parler avec mon cousin, il fait ah, il faudra qu'on démarre la 2 chevaux. Je rigole, je fais une petite roue de ma gueule, je vais dans les tacaler, alors mais il va falloir la bouger qu'on s'y attaque un peu. Je fais alors là, tu vas faire un mur mécanique sur la 2 chevaux. Tu vas la tacaler,
dégueulasse. Mais... Non. Non, mais ça, alors, pour moi, le canon, il était monté, on est d'accord, on m'a visé. Allez, Lily, tiens, Léopard sur moi, là. J'ai que le chat. Ouais, moi aussi, moi au départ, j'avais que le chat, c'est pour ça que j'ai désactivé, pour savoir où est-ce que je peux au cas où. Ah, merci. T'inquiète. Il y a un mec derrière moi, je comprends même pas comment il est passé derrière. Ah, mais t'inquiète, non plus. Hein. Wouah, là, il mêle. Il survit à ça, là, il mêle. Mais il est où, le mec? Attends, mais il est où? Derrière moi. Attends, mais c'est une folie. J'entends son... C'est un allié, non? Non, non, non. C'est un léopard. Ça va, Ah bah, il est nul. Ah non, même pas, c'est le... Ah oui, c'est le machin premium, là. Qui... Les rues, ouais. C'est comme le Yak Panzer 4-5, mais avec une tourelle. Il est mort très vite. Ouais, il est mort très vite, ouais. Mais ça, c'est normal, il est pas blindé, du coup. C'est un léger. Léger avec les mêmes obus que le 4-5, le Yak Panzer 4-5. Chasseur de chars. Ouais. Il a de la HESH et... je sais plus ce qu'il a d'autre. Il a de la ITFS. Très tôt, en plus. Hein. En plus. Et... Mon pote, c'est des Benji, les mecs. Là, tiens, meurs. Il est parti. Ah yes. J'ai vraiment mal tiré. Ah merde. Allez, cours. Les avions, ouais, ils sont agressifs, ouais, mais tu m'as compris. Cours. Oh, la ML. On prend sa vie. La ML, il est toujours en vie, lui. Putain, avec la rafale qu'il a eu. Il est passé dans deux artilleries, il a survécu. Il est en plein milieu, en mini. Il a le French Pias. French Ignum. Bacchettinium. Bacchettinium. Ah, par contre, c'est une kamikaze. Parce qu'il a appris. Aïe aïe aïe. Il est sur chimique en plus, putain. Ça, c'est pas bon l'endroit où je suis. Ouais. Parce que là, en fait, je suis encaissé. J'ai pas du tout l'avantage. Contact. Sur toi? Oh merde! Oh ouais, oh il s'est raté. C'est quoi? J'espère qu'il recherche pas vite Yak. Là. Yak Panther. Oui, il y a un léopard ou un truc comme ça. Coup critique! Et on voit des balles. Vas-y, attire-le. Attends, voilà. Oh merci, donne-moi ton flanc. Il va pas le donner longtemps, mon pote. Voilà. Il a son canon. Non, il a plus de canon. Mais non, derrière moi, Maël. Mais non, mais puis le moment où tu pars, quoi, mais c'est fou la malchance que j'ai. Ah, mais ça joue un char assez facile là. Ah ouais, mais. Décidément, les alliés ils puent la merde. Oh, vas-y, on me l'a volé. Il y a des mecs proches de lui, ils font rien, ils servent à rien, c'est des bots. Oh, quoi. on m'a fait le canon. Derrière nous, les mecs ils servent à rien, les mecs pour le point là. Eh ben tiens, il est mort, regarde. Type 59 là, il sert à rien. C'est une folie. Le mec, il y a un entier qui passe devant lui, même pas fichu de lui mettre une cartouche. Un cafard de merde. Ouais, mais ce cafard là, il est pas solide. Ah, c'est le 0, je crois, celui-là. Aïe, ça va être un gameplay très intéressant ce que je vais proposer. Ah, t'es parti en toute seule? Ouais. Ça va être long. Je me balade sans culasse, moi. C'est une petite balade que j'organise, hein, en effet. T'es où avec ton char sans culasse là? T'as besoin d'aide? Non, j'ai trop du monde. Je vais me planquer dans un coin. Et on a le même nombre de kills, toi. D'accord? On a le même nombre de kills. Ouais, j'aurais bien aimé en faire plus, mais au moment où en fait j'allais achever le Yak Panther, eh ben. Il y a un connard qui a débarqué derrière moi. Il y a un connard d'allié qui l'a fini. Mais regarde, il est encore en vie!
Non, mais c'est fou, regarde, il est signalé sur la map, c'est lui, c'est le 57-2. Ah ouais, je le vois, mais j'ai plus de culasse, donc vous permettez. Il est encore en train de faire des kills, non mais alors, on a mais des alliés, c'est des génies du mal. J'ai 6 secondes et après je le vois, t'inquiète. Ah bah le, bah le. Mets-le à... Ah putain, il est caché. À feu et à sang, il fume-le. Fume-le. Il va tout seul. On est en plus que 7-7 alors. On est en 8. Ah oui, oui, on est en 8-0, oh. Ouais. Il y a des léopards, donc 8-0, ouais. Et deux, les deux déçus sont morts. Les 57-2, là. Ouais. C'est quoi l'anti-rim qui est signalé sur la carte? Vermol. Ouais, je vais regarder. Dans... Pas une balle perdue. Je crois que c'est l'anti-rim qui a descendu... Je vois pas. Rakuto, tu as des missiles, ça. Ça c'est dur à prononcer, nickel. Il y avait une entière. Ah, c'était un petit Wiesel de merde. Ouais, c'est ça. Je pensais que c'était plus gros, moi. Depuis tout à l'heure, je suis en train de partir du spawn, mais à 13 km/h, mon pote. Sur une map aussi grande. T'inquiète, hein. C'est un peu t'as pas un mec en train de te pousser, non? Non, mais ça sert à rien de me pousser. Ils me feront jamais dépasser les 13 km/h. La boîte de vitesse, elle bloquera de toute manière. Ah, MX-M4 a pris une balle perdue. Vas-y, après cette game, je vais arrêter, je pense. Je vais me coucher trop tard. Ah, mais comment? Désolé. Non, non, mais... Fait, moi non plus, hein, moi aussi, je me dis qu'après toi aussi. Où ça? Moi, je il est où? C'est à 6 ans de mon ah, ah, help me. Ouais, Timo. J'arrive. Qu'est-ce que t'as dit, Prime? Non, non, j'ai dit Timo que je le tue, mais non, finalement. J'ai déçu. Il est où? Je sais pas, ah, en face de moi. J'étais en avion. Yeah, c'est pas bon. Avec mon dernier char, je vais pas servir à grand-chose. Non plus. Je suis sorti du spawn et j'ai essayé de venir. Allez, les gars, je vous laisse, je vous fais des bisous. Ouais, faut que je fasse, ouais, allez, ciao. Ciao. Ouais. Voilà, tu fasses rechercher pour moi avoir le moteur, gagner un peu de temps. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup ouais, voilà, il y a pas beaucoup d'améliorations sur le T95 à débloquer. Là, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va. J'en ai déjà fait plus de la moitié. Il n'y a que dalle. Hein. Alors que sur T92, par exemple, il y en avait. Il y en avait beaucoup. Putain, chiant sa mère, ce char. Allons-y. Soyons. Soyons fous. Ouais, ouais, ça. Soyons fous et allons souffrir. Soyons fous et allons nous faire démonter. Moi, les stés. Comme dirait Joe, moi j'aime ça. Moi. Oh, cette map. Ah, moyen de faire un carnage là. Oui. Je vais prendre T92, je vais essayer de faire un carnage. Bien dit, essayer. Moi j'ai les climbing 50 fauches. On va à droite ou à gauche? Je vais à gauche, hein, sur A. On est du meilleur côté pour aller sur A, donc autant y aller tout de suite. On a 8-0. Hein. En 8-0, ouais, bah oui, clairement. Ouais. Il y a 9 bizarres. Non mais. Je pense même t'as qu'on juste est au-dessus. Regarder l'avion pour la nuke, en fait, tu sais directement si c'est un. Ah, mais je pense quoi. Même qu'on est au-dessus de 8-0 là. Bah on est 8 Vidar, je suis max, pas sûr que ce soit 8. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense qu'on est au grand maximum là. Non, par contre, le canot Vidar, t'as pas fini d'être chiant là. Putain, il vient se coller à moi. Ça fait deux fois qu'il y a. Je viens de virer un M56 qui avait pas bougé. Putain, les joueurs allemands et russes là, ils méritent des tartes, con. Ils savent pas jouer. Non, c'est pas vraiment un problème de savoir jouer ou pas. C'est juste qu'ils savent pas jouer. Ah, mais les joueurs russes. Ouais, les ouais, joueurs allemands, ouais, je veux dire. Les bugs graphiques, gaging. Là. C'est pas mon matériel, hein, tout le monde, hein. Je précise, ça ne le fait que sur ce jeu. C'est vraiment propre à Warzone. À Gaijin. Ah ouais, non, ils sont trop forts. Ça. Canon Vidar, il a... Ah, il va exploser en deux, le Canon Vidar. Voilà ce qu'il va y arriver. Pour avoir été arrogant avec moi, bien fait.
Moi aussi je veux du point, mais le point il est mal placé. Il est placé dans un sens, mon pote. Il faut aller en plein milieu de... Ouais, mais voilà, mais ça arrive qu'à moi. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut au milieu des rochers, les mecs? Ça venait d'où? Ouais, mais on est dans du top tier là, ça sert à rien. Putain, la game elle est perdue. Ah non, j'ai eu. Oh, bâtard. Ah ouais, mais le top tier c'est chiant là, on est en 8-3 alors que ma line-up c'est du 7-0 et du 7-3, c'est nickel ça. Putain, mais ouais, mais là il y a une grosse différence de technologie entre 7-0 et 8-0. 7-0 t'as encore les chances de seconde. Quoi, moi, j'ai du 6-7 et du 7-3. Moi je suis en 7-3. Putain, mais on se fait niquer. Ah mais le 7-3 français c'est déjà plus d'un seconde. En fait, à partir du... Il y a même un char 6-7, c'est une plus de la seconde. Les Français, ils ont des chars assez modernes en direct, mais c'est parce que leurs chars sont pas solides. Ils ont de bons canons. Bon rechargement. Tout le reste qui est bon, mais pas le... Ouais. Mais comment il peut me peine? Je suis à l'autre bout du monde, il est pas censé me peine. Y'a aucun ennemi qui a essayé de passer par là, non? C'est décidé, c'est ce soir. Oui, ce soir. Y'a aucun René... ennemi qui est passé par là? Mais non, c'est pas possible. C'est bien ce soir que René va mettre là à la Monique. Ah putain, c'est la pétale. Sauf que la René, elle a... Une tub. Un zoubida. Non, putain, on part trop loin. Kling et... C'est toi que j'entends, je me disais bien que j'entendais un bruit de moteur. Arrivé à fond. C'est toi que j'entends. Nulos. Et là, ce qui est bien, c'est qu'à ce BR, au moins, mes obus peinent. Enfin, ça dépend lesquels. Au moment où je suis là, moi, il n'y a plus personne sur A. Ouais, moi ça me saoule. Oh, c'est chiant ça, mec, quand ça t'arrive. Genre, tu fais tout le tour et tout, tu prends bien ton temps. T'arrives, bon, il n'y a plus personne. Allez, nickel. Non, par contre, j'en ai un mail, tu vois. Oh, quoi? Mais. Non, mais mec, c'est quoi ces parties? À chaque fois que je suis en stream, c'est la même. Mais quoi? Il est où? Mais il est devant moi, le mec qui m'a fumé. C'est quoi cette folie? Non mais vas-y, c'est n'importe quoi, mais leur manière de jouer comme des PNJ aussi, ils capturent pas les points, putain. Oh tiens, regarde Viesel. Oh tiens. Ça arrive qu'à moi. Merde, je l'ai pas vu, il est où? Et dès que je suis en stream, mes gars ils m'appuient toute la merde. J'ai arrêté de jouer à ce jeu en stream. Hein. Hmm, faut arrêter parce que là, putain, les mecs ils font des trucs de... C'est quoi ce comportement de merde qu'ils ont? Le mec il a un point devant lui, il préfère faire demi-tour. Surtout qu'on a même pas foutu un tir. Si, moi j'en ai fait 4, 3. Non mais avant qu'il me tue. Moi j'ai vu... Qu'est-ce qu'il a fait, faire un demi-tour quoi, c'est ça que je comprends pas, putain. Moi bon, c'est le fait faire un demi-tour, c'est parce qu'il a vu que j'ai tué 3 de ses potes à côté. Waouh, t'es dans le brouillard toi. Ah tu me regardes. Ouais. Oh. Dans le brouillard total. Et Lucas qui est là-bas. Y'a plus. C'est quoi tes bombes là? C'est des chips ces bombes là, elles sont minuscules.
qu'est-ce que tu fais? Yes! Le mort aussi, le mort. Nickel. Allez, bon, mais t'as des mitrailleuses de 20. Tire. En plus, n'oublie pas, t'as des aérofreins là-dessus. Tu fais H et ça les déplie. Comme ça, au moins, tu peux te freiner quand tu fais un piquet sur quelqu'un. Ouais, non, mais pas comme ça. T'es sur la tranche. Tu vas tomber. Oui. Il y a un entier sur toi. Tu peux le... Ah non, c'est un BTR. Là, tu le vois, son spawn, un BTR. Ta gauche. Passe pas au-dessus de ça. C'est un ardeur. Il y a que des léchers, mec. Oh, t'es mort. Oh, t'es mort, Maël. Avec le tir, tu... Ah non, t'es pas mort. What the fuck. Eh, hey, mec, il y a deux légers. T'es obligé de les fumer. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est un avion... c'est un Messerschmitt, ça, non? C'est quoi? C'est un truc allemand à réaction. Tu peux pas le fumer, ça. Ouais, ouais. Oh, ils tirent mal, les mecs. T'as perdu en volée, mon pote. Je crois que t'es dans la merde. Non. Alors ça, c'était la pire idée d'utiliser gouvernail pour tourner. Mon Harry, t'aurais mieux fait de faire tout le tour. Il est où, le Cortez? Vas-y, il se bat, il fait sa vie. Défend son territoire. Ah là, on va perdre. Il y a Marder à 1 et BTRZD vers A, ouais. Ah, il y en a un qui se pointe, regarde là. Là, Vera, à droite de A. Regarde, tu les vois les deux. Pas le trou. Allez, au revoir. Voilà. C'est fou comme les chars français, ils sont moches. Ah, c'est un peu pour mon char. Ah non, mais je l'adore le char, mais ils sont moches. Ah, c'est mais... pas possible. C'est le deuxième plus grand char que j'ai fait le plus de kills. Ah bah ouais, mais ils sont excellents. Premier, c'est la RL 44. Ils sont excellents. L'ennemi est en train de gagner. Nous devons contre-attaquer. Regardez-le. Avec son AMX-13 qui tire des obus nerf. Ils ont 202 mm de peine. Bon, est-ce qu'il va y arriver, lui? Oh bah, du mal. Oh, moi aussi. Non, t'es mort aussi? Ouais. Bah, j'étais juste derrière lui, ouais, en fait. J'avais pas vu. Tiens, froid. Obliterated. Là, on était en top tier de ce top tier. Ah oui. Et pourquoi il a pas sorti plus tôt sur le F1, tiens? C'est tellement mieux que tout ce qu'il a sorti, quoi. N'oublie pas, Maël, c'est un léger. Un tir, c'est fini. Et même à la mitrailleuse, je pense que tu peux mettre des dégâts sévères. Allez. Ah ouais. Ah, t'es mort? T'as la stab. Ouais. Ah, mais ils ont la stab en face déjà. 8-3, les Russes, ils ont la stab. Ah, c'est un Russe, hein. Nickel. Ah. Il était pas un peu plus droit, je sais pas, j'ai pas bien vu. Ne va pas dans la. Ah, enfin, ouais. Allez, la droite. Fais gaffe, y'a un mec. Ah, oh, t'as droite, putain. Ouais, ça, tu peux pas le prendre, c'est pas léger ça. Mais lui, il débarque de nulle part. Ça fait deux fois qu'il fait ça, le mec, de sortir de nulle part. C'est vraiment un campeur. Il éteint son moteur, il se met dans des coins, il bouge plus. Bah voilà.
Vous êtes mormon? Non. Fais gaffe, il y a le mec qui a tué Mel. Sur son cadavre, il est. À peu près. Casse sa dernière position, c'est une espèce de chasseur de chars russe. Tout la merde. Et fume-les. Fume-les. Oui, oui. Avant de sortir, tu vas finir comme ton allié. Ah non, c'est la fin. Non, je survivrai. Je survivrai. Je survivrai. Mais c'est parce que tu adores le monde, ça. Ouais, c'est clair. J'adore le monde. Putain, ça c'était épique. Ça. Vas-y, allez, mettez-vous donc prêt là qu'on enchaîne. Oh putain, un game. J'ai lancé un petit booster moi par contre. 30% ouais. De recherche. C'est ma dernière. C'est ma. Tu peux lancer moi. Ouais. Vas-y. Allez, bonne soirée, Maël. Ouais. Y'a pas grand monde ce soir. Non, y'a pas grand monde, non. Mais ça, c'est toujours le mardi soir, je sais pas pourquoi. Parce que les gens, ils ont envie de repouiller. Le mardi soir, parce que le dimanche soir, tu dors pas bien parce qu'il faut reprendre le rythme de la semaine, après le week-end. Mmh. Donc du coup, tu rattrapes sur le mardi soir et après les autres jours, il y a de nouveau des gens. Ah ça, dire que t'as une commu qui fait beaucoup la fête. Bah j'ai pas réellement de commu, en soi, ça en revient. J'ai même pas encore les 300 abonnés sur YouTube, j'ai... 100 personnes qui me suivent sur Twitch, une vingtaine de personnes sur TikTok. Ah, mais t'as quand même ta petite commu quoi. Oui, on va dire ça. Après, on s'est dit, nous les autres hier, peut-être qu'on regarde le live de ton point de vue, parce que ça donnait. J'aime pas quand il y a un bruit d'obus qui passe proche. Oh. T'inquiète. On s'y fait au bout d'un moment. Oh shit. Ils sont sur moi là. Attends, ils sont déjà sur ma gueule là. Non. Mais si en plus. Au secours. Là-bas mon gars. Oh. Non, me bloque pas, enculé d'SPJ. Mais c'est quoi cet allié de merde que j'ai encore? L'SPJ m'a bloqué. J'espère que tu vas crever quand même, parce que là. Qu'est-ce qui m'a foutu dans la merde, cet enfoiré, con, SPJ? Juste pour essayer d'avoir son kill, là? Non, mais attends. C'est qui, ces mecs, là? Ultra toxique, là, c'est quoi, ça? En sachant que vous êtes tous sur le point A, en plus. Il est venu me pousser contre l'ennemi, limite, quoi. Il voulait que je crève, ou quoi? Oh. Il a plus de classe. Oh, yes. Et je vais faire que des assists. Malheureusement. Eh ben ouais. Alors ça, par contre, ça c'est la magie de Noël. Les tirs en cloche, le missile, j'adore ça. Non mais. Ah ouais, mais c'est quoi ce machin hein? Tu m'attendais ou quoi, toi? Non mais c'est fini. J'en ai marre. On me fait que prendre top tier là. C'est trop chiant. Alors notre équipe, si on regarde, ils sont majoritairement au bombé air, mais alors l'équipe d'en face, pas du tout.
Mec, les chars de la seconde face à des missiles. Je vais faire quoi là? Et sur C, il y a des gens qui snipent le spawn. C'est une blague. On m'a laissé pour mort. Mais non. Bah si, on va pas finir. Bah ça c'est une chance que tu as, profites-en. Du coup je sais pas si j'ose bouger ou pas. Ah, je sais pas, je saurais pas dire. Oh le putain. Non les avions pourquoi moi? Je veux dire je suis même pas un léger, mais pourquoi moi? Ouais vraiment bah, si, je t'assure je suis maudit. Dès que je suis en stream, il faut que je me fasse exploser par... par le monde entier parce que sinon c'est pas drôle. Putain mais... Non, quoi. Peut-être qu'on s'est roulé de partout, mais. J'en ai jeté. Ils ont repris, ah bah ouais. Nickel. Ah, les games de fou, quand même, stop. Ouais, je vois. Plus ou merci. Nous devons faire davantage de pression sur les filles. Ils sont en train de gagner. Ils sont mon chat. Il y a un mec qui t'embête? Oui. J'arrive. J'ai un inconvénient, 13. Bah, il a plus de contrôle de tourelle, il a plus de radiateur. Oh, je vais bientôt le finir. T'es sûr? Non, oh, maintenant, maintenant, non, 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 oui, oui. Ah, voilà. J'ai cru que t'allais rester devant et que t'allais m'empêcher de tirer. Non, je passe, je passe. Oh non, non, mais mec! Vraiment, regarde la chat que j'ai, y'a un mec là, aide-moi. Il va arriver, il va me rush. J'ai pu. Je l'ai ping. Là, il va arriver. Sur mon ping, il va arriver, cette rue là. Normalement. Attends, je recharge. Il m'a fait tout quoi, mais putain, mais c'est vraiment pas de bol quoi. Il est sur le point, il est sur le point, il va arriver devant moi. Recule-toi et attends-toi ce qu'il arrive soit sur ma gueule, soit à la rue avant. Il arrive sur moi. Bon, bah ouais, mais mec, chatelon quoi. Putain, de salopard quoi, mais c'est un truc de fou. Et il était pas derrière salut, toi Adrien. Et derrière moi. Ah putain, bah il a tourné alors, il y en a deux. Parce que celui qui avait en face, c'est pas celui qui m'a tiré dessus. Putain, mais ouais, mais mec, comment tu veux? Ils ont de la chatte aussi. Il peut tirer. Salut Adrien. C'est affolant les parties qu'on a à chaque fois que je suis en stream. Quand je suis pas en stream, je fais les meilleures parties de ma vie. Quand je suis en stream, c'est les pires parties quoi. C'est vraiment une folie. Pourtant, je joue pas comme un idiot. Je rush pas. Là, juste avancé un peu, je suis arrivé dans le coin. Et à un moment, je me suis arrêté. Ouais, au moment, je crois que t'as pas pris le véhicule le plus performant pour aller en fin de game. Ouais, bon, fou, au moins, je serais blindé là. Ils me mettront pas de tir de côté. Parce que même s'ils me tirent de côté, ils peuvent rien faire. Où est-ce qu'il y a des cibles? Sur C apparemment. Ouais, c'est ce que je regarde. Si je le vois, il se mange un missile. Non, mais se moquez pas tout. Mais non, mais idiot, quoi. Il faut jamais faire ça, surtout à cet endroit-là. Faut pas faire ça. Putain. Alors là, mon pote, on va être dans la merde. Parce que du coup, ils vont se rapprocher, les ennemis vont prendre... Ah, ils vont prendre position proche de nos spots. Ah, j'ai mon bouclier en fait. Là-bas. Il y en a un mec par là, vous allez en avoir. J'ai touché quelqu'un là-bas. Ah, il m'a tiré dessus. Ah oui. Je vois pas bien ce que c'est. Si, c'est un IS-3 ou un truc comme ça. Il est à la gauche du bâtiment. Juste là, mais à gauche. Il va me faire le canon. Ah, à gauche! Je l'ai fait tube canon!
je lui ai rien fait. Ah. Ça c'est pas un IS-3, ça c'est un IS-4. Donc j'ai une réactivité en face aussi, ouais. Mais là je suis en train d'avancer parce que j'ai pas la pause. Ah bah tiens, regarde ce qu'il a pris l'AML. Il a pris ce qu'il méritait. Un coup de 12-7, voilà. Voilà, bon, moi je passe à droite. Faudrait que tu passes à gauche. Quoi que t'es... Bah on est tous les deux des canons automoteurs, on est dans la merde. Oui. Effectivement. J'ai le rush, s'il te plaît, s'il me tire dessus, tu me mets dans la merde. Fume-le, s'il te plaît, chanson. Je regarde à gauche. À mon avis, il s'est plaqué contre la paroi et il bouge plus. Tu l'as tué ? Non, il est pas mort. Il y en a deux ? Non, mais c'est une blague. Ah, il bouge l'autre. Ouais, qui bouge, il est vivant. Nobu, il a rien fait. Il est là. Oh non, j'ai tiré pile trop. Non, c'est une blague. Je leur fais le tube canon. Je leur fais le conducteur. Je charge. J'ai pas eu de ronde d'équipage. Au revoir, adieu. Vas-y, Dania. Oh non, putain, non, désolé. Il m'a fumé le mitrailleur. Il a fumé le mec à droite. Il a plus de tube canon. Il a plus de tube canon. Non, c'est le seul truc que j'ai réussi à faire avec mon missile. Mais c'est bien ça, mais c'est nickel. Parfait. C'est tout ce que je veux entendre, ça. Voilà. Ah, ça c'est cool. C'est comme ça qu'on fait travail d'équipe. Le DJ des assistances est de retour. J'en ai 3. Et une. Mais bon. Il y a un mec qui passe là-bas. IS quelque chose. Il y en a un autre derrière. IS 3. Regarde. Ils vont pas me compter le dernier kill là, ouais. J'ai pris une balle perdue, moi. Quand je fais des kills, il me les compte pas, ça m'en fout. Ah, quand. Ah, ouais, non, ça c'est pas bon ça. Ah, ça c'est pas bon ça. Même une amélioration de char, ça m'aurait plus enchanté, si tu vois ce que je veux dire. C'est là. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils m'ont donné quand. Bon, une J'aimerais bonne. J'aimerais bien avoir notre BR. Une bonne. Notre map. BR, tout simplement. Et notre BR, ouais. Et notre BR, ça serait pas mal, ouais. Ça serait cool en vrai, ça serait fun, ouais, de jouer à notre propre BR, ouais. Ça serait cool. Ouais, je commence avec T95, direct. Ah. Elle tout elle. Comme ça au moins dès le début de la partie il y aura tous les mecs qui... Bah ouais, mais les maps qu'on a, avec les points qu'on a, quand j'étais pas en stream, j'ai eu les maps que je préférais. C'était nickel. J'ai fait une game où j'ai de folie. J'ai quasiment jamais cette game, cette map là en fait. Elle est bien, mais quand il y a les 3 points là, il y a que 2 points. La domination, ouais, c'est pas très... Ah, elle a du 7-7 sûr. On est en 8-0 encore. Et super. Ah, double tutelle. Tutelle français, tutelle américain. Oh, la dernière fois que j'ai fait un tutelle face à un tutelle, ça fait match nul. Un petit tir dans. Ce tutelle que tu as là, c'est fini. Et encore un américain n'a même pas réussi à. Un allemand en Tigre 2 n'a même pas réussi à me péter. Ah, ça c'est les Allemands. Ça. On va bien, de rien. J'ai oublié de te répondre. Ouais. On va très bien. Le jeu, il nous nique au moment où je suis en stream, quoi. C'est fou, quoi. On dirait qu'il y a les devs derrière un clavier quelque part. Ils aiment pas que j'ai critiqué leur jeu. Non, mais ils sont déjà en train de contourner. Ouais, j'ai mis 60 euros. C'est pas assez. Je vais pas nourrir leur famille, là. Ah ouais, c'est en train de contourner par la gauche. Ah ouais, ils sont allez, sans léger à gauche, quoi. Mais putain, c'était ouais, sûr. Bah t'inquiète, je suis un peu de taf, un peu de ménage. Personne vient là-bas. Dans les pingers. Ah ouais. Ouais, il est passé par là, il doit aller par la droite. Le moyen là. Non, c'est un léger. Ou non, c'est un chasseur de chars d'ailleurs. Précis. Ah ouais. J'ai pas le nom exact. Ah, il est là.
Il y a un mec sur vous. Là. Ouais, il est là. Il vous contourne. Attends, j'ai une cible à abattre avant. Il est parti vers là. On est missile. Ah non, le T92 il va mourir. Moi aussi j'ai crevé. Mais... nickel. M109 juste là et je peux. Il m'a pile pété les chenilles au moment où il fallait pas quoi. Au moment où j'étais incliné. Mais en fait, je comprends pas comment c'est possible d'avoir autant de chance. Parce que là, c'est clairement de la pure luck quoi. C'est affolant. Et voilà, maintenant il pète le canon. Bah ouais, évidemment. J'aurais pas dû tirer, j'aurais pas dû tirer. C'est bon. Je vois. Il y a un poteau pile à l'endroit où je pourrais le toucher, le mec, mais non, mais c'est une. C'est une folie quand même. Non, tu te fous ma gueule là. Et Jean, remboursé. Genre, c'est un rétro qui a arrêté mon obus. Combien de chars en face de moi? En secours! Et pourquoi les alliés à gauche ils avancent pas, putain? Attends. Mais quoi? Non mais attends, mais il y a tout le monde qui se met contre moi parce que... Oh mais putain, mais les alliés c'est des plancouses, ils servent à rien. Moi j'ai un G6 que je comprenais pas pourquoi j'avais pas à peine. Oh putain, mais c'est une folie, comment on peut être... Oh. Ouais, je me suis fait attraper par tous les sens parce que... Parce que les mecs qui vont sur la gauche de notre équipe, ils puent la merde. Ils sont bloqués au spawn là, mais sortez merde, trouvez un moyen. C'est des T-44, c'est pas non plus indestructible. J'ai pris un obus. J'ai pris Tari. En sachant qu'un rétro a arrêté mon obus. J'adore. Allez, faut pas sous-estimer les rétros, les gars. Quoi? Mais attends, mais. Allez, hop. Il est où? J'ai quitté le jeu. On va écourter le live parce que là, mon pote, depuis qu'on est en live, le jeu devient incroyablement nul. On va arrêter le live. Ça va être plus rapide parce que là mon pote, depuis que j'ai lancé le stream, c'est plus possible. Les mecs, on prend que du top tier, que des chars lourds indestructibles et des équipes de merde aussi. Putain. Oh, les équipes de retardés mentaux là, c'est ça. Je vais aller tout à gauche avec eux pour voir ce qui se passe là-bas parce que il y a forcément une histoire. Pourquoi ils avancent pas? Pourquoi ils bougent pas là? Oh, c'est un cap, c'est bon. Il y a forcément une raison et j'ai envie de savoir quelle est cette raison. Là, ils sont en train de me foutre en l'air ma partie, il y a petit feu. Hein. Voilà, je suis mort deux fois, une assiste. La map bien merdique aussi. Ouais. En plus, en point de merde, on se fait qu'à plein de zones en plus. Bah ouais. Déjà, quoi. Ouais, on a déjà une bonne partie de l'équipe qui a quitté. Ils sont morts combien de fois les mecs qui ont quitté une et un, deux, ok. Donc il y en a deux qui ont fait les gros lâches. Voilà. Faut le dire, quand tu quittes alors que t'as encore des chars, c'est... C'est très très lâche. Parce qu'une équipe ne peut pas être une équipe s'il y a tout le monde qui quitte en fait. Ça marche pas comme ça. Le mec qui est en train de cap notre point, il faut faire quelque chose pour l'arrêter. Un IS-3 qui est en train de tirer. Ah ouais, c'est le mec qui m'a flingué quand je suis sorti du spawn. Non, moi c'est pas un truc ça, c'est un truc... C'était clair. Tu sais, anglais qui a un obus de... comme explosif. Moi je vais cap. L'IS-3 il est vraiment sur le point, ouais. Ouais, je le voyais. Ah mais c'est un du boss. Je sais pas ce qu'il faisait. Ouais. Il était FK là. Est-ce que je laisse le cap de point? Je m'en parle. Parce que sinon
ma partie elle est catastrophique. Tu veux ta part du gâteau? Ah ouais, sinon la partie là pour moi elle est catastrophique. Tiens, elle est catastrophique dans tous les cas. Je vous ai dit, le jeu, quand je suis en stream, on dirait qu'il y a, un truc quoi, c'est pas possible, je suis maudit quoi. Bon allez, je suis... Putain, mais... Ah ouais, mais ça fait une sacrée pause là, Adrien. Waouh, mais c'est fou quand même, c'est un truc de fou. Depuis que je joue en stream, les parties sont mauvaises. Avant que je joue en stream, les parties elles étaient pratiquement toutes nickel. Mais vraiment, je vous dis, j'ai fait des bonnes parties, regardez. Ça, c'est depuis qu'on est en stream, ça a commencé là. Regardez, là. Bon, ça, c'était les games en avion. Donc, je suis un peu nul en avion, donc les scores sont pas non plus très élevés, mais c'était bien quand même. Et regardez. Bon, on a des défaites, ouais. C'est pas grave. Bon, là, c'est des games en avion. Les games personnalisés aussi. On avait bien rigolé. Ça, c'est encore de l'avion. Et ça, c'est les parties de tout à l'heure. Regardez, c'est de bonnes games. Victoire. Victoire encore, regardez, ça va. La thune n'est pas si élevée que ça, mais ça allait. Je pouvais grind quand même. Limite, voilà, et regardez, ça c'est la première game de la journée. Regardez, vous voyez, la récompense est bonne. J'ai fait maximum de... J'ai fait plein de... Repérage adversaire 9. 2 kills. Assistance à destruction d'adversaire 5, je me suis régalé, ça m'a fait 38 000 de récompenses. Et là, regardez, depuis qu'on a commencé le stream, on a fait une victoire au début, et puis défaite. Défaite. Et là, ça va être une défaite encore. T'es encore en game, toi? Ouais. Ah, je m'en doutais. Putain. Bon, pas de bol, moi. Fait fumer. Il a besoin direct. De réconfort. Oh, mais je me fais fumer direct. Oh là, la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que je suis en stream, en fait, les parties sont injouables. Avant que je sois en stream, elles étaient toutes bien. Même en avion où je suis nul, bah, elles étaient bien, les parties. Ah. Elles étaient tellement bien, les games en avion, ouais, que, pays, que j'ai débloqué mon premier jet. MD-450 Ouragan, là, en 7.7 en avion, c'est pas mal. Bah, je pourrais le jouer... Si jamais un de ces jours je joue 7-7 français avec toi, je joue. Mais du coup, là, ce soir, vous êtes de l'avion ou. Bah non, on est en chemin. Est-ce qu'on peut basculer au 11? On est en chemin. Oui, non, mais non. 6-0 et toi, 1-0 et quelques, ça va pas le faire. Ouais. Je suis obligé de manger des crêpes. Bien souffrir. Ah là là. Dis-toi que j'ai pas pu sortir de mon lit depuis samedi. Ça te réconfortera peut-être. Là, moi, j'aimerais être malade. C'est triste à dire, mais j'aimerais être malade. Après, je sais pas la journée que je vais passer demain, j'en sais rien. Oui, demain, il y a possibilité qu'il... On dit, demain est un autre jour. Donc, si t'es malade, tu peux pas avoir des nuggets. C'est dommage. Ouais, moi, je veux bien m'endommager. Mais quand on va bien, on peut. Et t'as regardé le temps qu'il fera? Ah non. Si faut, on va annuler au dernier moment. Je sens que... Demain, ça va être une purge. Ah, mon obus passe à travers. Sérieux. S'il pleut, j'ai pas forcément envie de venir. Mais attends, quoi, c'est là la... Je t'aime pas. Ouais, non, mais je me doute, Cyril, que tu vas pas venir s'il pleut. Je sens qu'il va pleuvoir comme tous les mardis. À chaque fois que c'est le mardi, il pleut. Non, mardi dernier, on était à jour à vert. Demain, à vert. Ah, bah nickel. C'est cool ça. Attends, c'est pas... Mais de toute façon, on se le dira demain pour un message. Ouais. Moi, je pense qu'il va pleuvoir. Ah, mais là, ils disent qu'il fait soleil demain. Bon, je sais. Non, pas Saint-Paul-de-Jara à Foix. Non, mais attends, s'il fait beau à Saint-Paul et pas à Foix, c'est vraiment un manque de bol quand même. Oui, non, là pour le moment, ils disent bon, qu'il fera que 13 degrés, mais il fera nuageux et soleil. Pas pluie. Je te plains, rien, tes journées doivent être longues. Demain, vous aurez de la neige. Ouais, c'est ça, on va avoir le pire, quoi. C'est la neige. Ouais, si j'ai de la neige, c'est bon, je vais pas au boulot, moi. J'ai pas des pneus neige, j'ai où? Je peux pas aller me sacrifier pour aller. Ah ouais, bataille réaliste de char en 9-0. Ça veut dire on était en 8-3 ou un truc comme ça. Non, forcément 8-3. 8-0. Mais vu ce qu'il y avait, à mon avis, il y avait du 8-3, c'est pas possible. Les journées sont longues, oui. Bah ouais, les journées je sont longues. Je m'en sens bien, je suis en 5. Et en fait, après ça va, je me dis, il reste 7 semaines à finir et 3 autres, et puis j'aurai 2 semaines de répit.
Et puis après, les semaines qui suivront, elles seront assez faciles parce qu'il y aura les jours fériés, il y aura plein de choses comme ça. Putain, c'est sûr qu'en mai, là, tu vas avoir Mais tranquillou, après, je me pipo. prends de mon propre gré 2-3 semaines de vacances, voilà. Et Je après, il y a sais, le c'est court. bac. Va Et après le s'étranger. bac, il y a que je me prends 2-3 mois de vacances. Et puis après, j'irai faire une formation pour être ambulancier. Et après, je serai livreur. En attendant d'avoir 3 ans de temps de conduite. Enfin, 3 ans de. 3 ans de De permis. permis et puis comme ça je pourrais faire ambulancier à plein temps. T'as toujours pas ton permis? Ah ben non. J'en ai pas Ah. eu besoin jusqu'à C'est quoi maintenant. cette reproche là? Non Tais-toi mais toi. où? Tais-toi. Je vais avoir bientôt 3 ans de permis, moi. Non, D'être moi j'en ai ambulancier. pas eu besoin en fait parce que je prends le bus. Donc Ah oui. Non mais. Moi je Changement en l'ai, game. c'est trop bien. Bon, je suis deuxième de l'équipe. Hein. Non c'est Putain, tu faux, t'es j'ai pas mon régalé. permis. Ouais. Et pourtant, là, je suis avec la MX-13. Hein. Et la MX-M4, j'ai fait quelques kilos, ouais. We don't talk about Bruno. No. Putain, mais lui, il va être long à monter, quoi. À chaque fois, j'ai pas de bol quand je joue, quoi. Eh, mais vraiment, c'était un pas de bol total parce qu'au moment où, tu sais, je suis penché en arrière, je commence à monter et au moment où j'allais me poser bien à l'horizontale, prêt à tirer, je prends un obus dans la chenille. Ah bah ouais, bah nickel quoi. Mais franchement, le T'as rien à bol des faire. mecs, le bol des mecs. Mais tu te dis, Non, mais putain, mais jouez au loto les gars. Enfin, franchement, et moi pas du tout. Moi, il faut pas que je joue au loto parce que sinon c'est fini. ça me manque de souffrir avec vous sur War Thunder. C'est vrai que on souffrirait moins. C'est un truc de fou. Je suis désespéré. J'en peux plus. En vrai, il reste 10 kills et on gagne la game. Hein. Oh putain, elle est longue votre game, c'est un truc de fou. Ouais. Quand je Non, à marteau, chaque c'est fois les dans games qui durent les le plus games où ça longtemps, dure c'est les plus bizarre. longtemps, c'est moi là où moi je m'en sors le mieux. Putain, il est bizarre le blindage ce char là. La gueule qu'il a, il est trop moche, c'est un truc de fou. Lequel? Le M103, la caisse qu'il est moche. C'est une Ah oui, folie. c'est américain ça, Ah je oui, bah oui, c'est connais. bien américain. De toute manière, il y a C'est un M américain. dans le nom, donc. Il est moche, c'est fou. Est-ce qu'il a... Il a quoi comme équipement intéressant? Il a l'amélioration du télémètre, ouais, ok. Bah, rien de passionnant, quoi. Après, t'as le T95, il a la première flèche américaine, je crois, l'une des premières flèches américaines. C'est des flèches qui puent. Mais vraiment qui puent, quoi. C'est pas des obus flèches. Je peine pas, j'adore. C'est de la PFSDS. Ou APDSFS, ok. C'est obus sabot anti-blindage stabilisé. C'est pas réellement les obus flèches modernes. C'est un espèce de truc bizarre. Une gueule chelou, quoi. Est-ce que ça a la même? Non, ça c'est un vrai. Ouais, ça c'est un vrai obus flèche. Obus sabot anti-blindage stabilisé. APFSDS. Ça, c'est de la bonne, ça. En fait, ça ouvre en deux le blindage. Télémètre laser, ouais. En 9-0, quand même, vaut mieux. Non, non, pas rechercher ça, ça. Voilà. Mais ça, je vois un truc. Est-ce que. Oh, mais il reste combien... Ah, mais il reste plus que 4 mecs en face. Non. Et lui? Brille. Pardon. C'est pas drôle, Oui. hein. Lui, est-ce que lui là? Ah ouais. Putain, les bâtards, les Américains aussi en 8-3, ils ont des chars avec la stab deux axes. C'est un C'est truc de bon. fou. Lui, il meurt. Nous les Français, c'est en 9.3 qu'on a la stabilisation deux axes. Les C'est quoi qui Américains, change c'est en en vrai?
C'est un 8-3, c'est affolant. Il reste 4 mecs. Allez, on y croit. On y croit plus. T'es mort? Non. Mais mes alliés, si. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Ah, c'est trop moche ce machin là. Ah. Ah la gueule du machin, s'il te plaît, c'est hallucinant. C'est quoi, c'est amphibie ça? Ouais, il y a des hélices, c'est amphibie. Putain. On dirait vraiment un bateau. C'est un bateau en soi. Là, c'est vraiment un bateau avec des chenilles. Hein. C'est pas vraiment un char, c'est vraiment un bateau. Il y a d'autres bateaux, je crois, chez les Japonais qui sont pas mal. L'arbre est mon ami. L'arbre me respecte au moins. Ouais, la taille du machin. Ok. Ouais, mais du 120 mm en 1.7, ils ont les Japonais. Quoi. Bah, il reste 6 minutes 25, je fais un face à face avec un char. On se regarde. Oh, le fils de pute. Et puis là, sympa. Et comment il me touche cette partie là? Mettre ça, c'est deux différentes choses. Ok. Bon, ma dernière char. Tire quoi comme obus? De la HE et de la SAP. Satisfaisant. Il reste 3 mecs. En sachant que le dernier mec campe à son spawn. De son point et il bouge pas. Ça c'est démoniaque ça. Putain. Le chia LG là. 102 mm de peine avec de la SAP. Putain, c'est violent. De la SAP. C'est un canon de bateau le machin. Ah, SAP, ah oui, c'est bon, c'est les obus explosifs mais pénétrants. Avec une tête pénétrante. Ah oui, c'est ce qui me détruit mon charme deux fois de suite. Oh, ils ont des putains de chasseurs de chars en vrai. Les Anglais, ouais. Non, non, les Japonais là. Ah, mais les Anglais aussi, ils ont des putains de chasseurs de chars. Ils sont où les Anglais, voyons là, chasseurs de chars. Ils sont où là? Gun Carrier, il est pas mal. Un Conway. Le Gun Carrier, le Conway. Ouais. C'est un 7-0. Il est moche. Putain. Mais il envoie des pralines. Il a un blindage moyen, ça va. C'est pas exceptionnel, c'est pas dégueulasse. C'est du blindage, quoi. C'est. Il n'y a pas grand-chose à dire sur du blindage. Allez, il reste encore 4 kills à faire. Il reste 2 mecs. Il a quoi comme... Non, pas ça. Il... Non, non, merde, je me retrompe deux fois de suite. Je suis un imbécile, c'est pas possible. Il a de la PDS et de la HESH. Salut Joe. Vous êtes calme ce soir? Non, mais non, mais là, les parties sont froises. Dis-toi, il y a que moi qui est en game là. Ah ouais? Ouais, moi c'est fini. Lui aussi, putain. J'ai 6 kills. 5, c'est moi qui carry la game. Ah, c'est ça qui m'a tiré dessus en cloche, con. Le swing fire, je crois que c'est ça. Bah ouais. Bon. C'est du 8-0, c'était bien du top tier du coup. C'est bien ce que je me dis. Non, mais de toute façon, quand tu vois le. Ouais. Ah, une amélioration. Je suis régalé. 95, ouais. Mais pas moi. Moi, c'était la pire game, comme d'hab. D'ailleurs, Joe, on te voit tout le temps connecté. Ouais, mais c'est parce que j'ai. En fait, avant de partir, j'ai fait une partie. On en lance une là, et... ou t'arrives? Bon, en vrai, je fais que d'arriver là. Faut que j'aille prendre ma douche. J'allais faire un manger. Allez, mets-toi après. Mais t'inquiète, j'ai des recherches. J'ai des recherches. Je viens de faire 6000 XP, c'était pas mal. J'ai bientôt fini le T92, j'ai hâte de m'en débarrasser et de le jeter à la poubelle. Moi j'ai hâte de changer le M26 par le MX50. Todd. Là, ça va, là on va se régaler. Mort, putain. Allez Joe, je vais débloquer un premier jet français. Ah ouais? MD450 Ouragan en 7-7. Ouais. Il est pas mal. Hein. Il est vraiment pas mal. Il tourne. Hein. Il a le seul défaut, un peu l'accélération qui est un peu molle. Mais sinon, en vitesse de pointe et en virage, il est vraiment incroyable. Je suis prêt.
Mais t'as pas fait le F82, je sais pas quoi là? De quoi? Le français là, bah, c'est plutôt un américain, je crois. Ouh, bah, y a pas mal d'américains, ouais. Les deux que j'ai en 6-0 et 6-3, c'est américain. Donc. Non, mais le 7. Le 7-7. Je crois français. Que tu peux commencer avec ta tortue. J'ai commencé par le MD, l'ouragan et le barougan. C'est débloqué, puis après j'ai bloqué le F84 américain. Après je vais faire il y a un autre MD, je sais plus combien, et puis après je ferai le. Je sais quoi, le machin modernisé, là, je sais plus comment il s'appelle. Avec ses missiles. Qu'est-ce que c'est cool, l'autre là? Allez, un peu de motivation. Ouais. Hein. Très... Les bugs graphiques, ça arrive au bon moment. Hein. Merci, Gaijin. Putain, je suis entre deux lignes. Non, j'ose quand même l'autre. Ok. Oh là là, putain, j'ai vraiment eu chaud. On joue ça? J'espère que derrière moi il cover. Sinon je l'ai tué. Mmh. Moi je cover la ruelle, c'est-à-dire ici. Et ça tire de par là. Ouais, je vois. Il y a une 4 à 1 qui vient de se mettre devant moi. Ah, y'a un mec par là. Les munitions qui résistent à mes tirs. Pas une dégâts, ça j'aime bien. J'aime bien avoir de la thune. Ah bah oui. Y'a un truc par là. Je crois que tout le monde aime l'argent, hein. Je suis pas sûr mais. Je suis pauvre actuellement donc. C'est nickel. L'argent on a fait pas le bonheur mais en tout cas. Ça aide pas mal, hein. Franchement. Nias, je serais heureux pendant un petit moment. Ah, IS3. Ah. Bah ouais, mais je l'ai pas vu. Bah, en fait, j'ai trop avancé, j'ai été trop gourmand. C'est ma faute. Attends, j'ai repositionné ça, c'est m'arrive dessus. J'ai oublié de manger mes crêpes. Oh non. Comment tu peux oublier ça? Moi, les crêpes, elles auraient disparu très vite. Mais moi, je viens d'y penser quand t'as dit le mot gourmand. Non, les crêpes. Je les mangerai vite histoire que personne ne les voit et personne ne me propose. Ouais, est-ce que je peux en prendre une s'il te plaît? Non, non, t'en prends pas toi. Tu meurs de faim. C'est pour ça que tu partages jamais, même avec moi. Ah, mais oui, quoi? Mais, raison, mais la nourriture ça se partage pas. C'est chacun pour soi. Mais si, regarde le muffin au chocolat, tu veux jamais m'en passer. C'est quoi, normal, c'est la survie. Ça s'appelle le muffin au chocolat. Mais tu les aimes pas. Elle aime pas le truc, oui, elle fait mais tu peux m'en passer? Non, non, mais tu n'aimes pas. Et elle fait mais non, mais oui, je sais. Mais alors fais gaffe. Parce que on sait jamais. Il y a un camion là-bas. IS3. Fuis pas un IS3. T'as la peine. Mais non, mais je me rebond. C'est pas le problème, c'est qu'il y a des carcasses devant. Tu vois là, tu vois la, la base du tube du canon de l'IS3. Eh ben à droite, tu tires collé. Oui, mais écoute-moi, c'est pour les points faibles. Oui, j'écoute. Oh, wow, wow. Chat. Il a plus de canon. Tigre 2 mort. Bientôt. Se fumer. Mais c'est manqué, ce tireur. Ah, le tigre 2 il faut fumer, moi je peux pas le peine. Oh, bah, il veut mourir. Silos. Silos. J'adore quand même. Mais c'est spécialisé juste pour la game monde. Oui. Totalement. Je t'en sens. Et ta Maëlle, il est-tu pas avec vous aujourd'hui? Non, mais il est parti. Non, il bosse demain. Travail d'équipe. Ouais, j'arrive. C'est derrière. Il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Oh, bah ouais, mec. Putain, mais t'es sauvé. Ah, mais ouais, mais je l'ai pas vu avec la fumée que ça fait quand tu fumes quelqu'un. Ah, ouais, j'avoue que là, moi je reviens. Je vais prendre ma douche. Ah, vas-y. Ouais, il faut que tu sois propre comme un sous-neuf. Non. Bah, tu aurais dû voir ce que j'ai bossé, vaut mieux que je sois neuf parce que frère, ça donne pas. D'accord. Ouais. Ah, bah, j'ai travaillé avec du sang et si tu préfères, j'ai été récupérer les cuirs de vache.
fraîche, ah. Comme d'être morte. Genre tu les vois dans l'abattoir et toi tu récupères juste la poussée. Donc les pipas c'est plein de sang, plein de crottes de vache parce que les machins, c'est pas comme... C'est un pays ça m'a fait le truc. Chose en rapport avec les vaches. Ah bah c'est Guingamp hein. Ça c'est la Bretagne. C'est, plus, c'est là-bas qu'ils apprennent aux élèves dans les écoles primaires à traire une vache. Non. Il y a un pays vers la... Mais je pense que c'est les Pays-Bas. Ouais. Je vais tuer pourquoi? Peut-être, ouais. Avoir... Mais non, là... Là, j'étais pas loin. T'aurais pu me dire, Flo, qu'on avait perdu le point. J'étais pas loin de chez toi. Mais il est perdu depuis 4 ans. Ah, mais je voyais pas, moi. Bon, Cortez. Bah, mais je suis en train de me battre face à un ennemi. Genre, ça fait... Je vais la voir. Et d'un coup, je vois un ennemi. On a perdu le point. D'ailleurs, personne n'a capté le point. Toujours pas remarqué. Non. Hey, j'adore le monde. Là, j'adore le monde. Toi, c'était tes amis, c'est ça? Meilleur ami pour la vie. Non, le BR, il va pas faire ça souvent. Bien sûr que si. Je mets 3 heures à me déplacer exprès pour ce point et le BR, il arrive, il me le prend devant le nez. T'es couché. Heureusement que les mecs savent pas tirer en face. Putain, il m'a percé à Tourello là. C'est ça que j'ai pris aussi cher là. Et... Les tortues, on y croit. Il y a un mec en face. Je j'ai touché des gens, mais personne n'est mort. Tigre 2 qui arrive. Non, c'est pas un tigre 2 ça, il est où l'autre? Tigre 2 là. Il fait quoi lui? Je te vois, allô. Mais l'ennemi fait quoi là? Il va mourir, je vais recharger. Ah voilà, merci. Il est con quoi lui? Ah, tu vois, ça me choque tellement qu'il soit aussi nul que... Et toi, il repique. Il repique. Attends, moi je veux ça pour aller en entier. Moi je suis gourmand. Moi. Ah, petit gourmand. Il recule. Charge complete. Ah, il recule, moi j'avance. On se repositionne. Là, il fait demi-tour. Ah, il part à gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Et il part, il fuit. Le portail là. Non, mais il va falloir m'aider. Hein, parce que là, s'il me fait une chute, je suis dans la merde. Allez. Il fait le canon. Il est intelligent. Enfin, un truc qui t'a tiré. Oh, il y a trop de mecs. Recule juste. Recule, en vrai. Ah, vite, mais fumez-le. Y'a personne qui peut le fumer. Je suis mort. On a trop sur moi. J'attends que mes assists passent. Oh, d'ailleurs, c'est lui qu'il faudrait que tu tues, lui. Ah mais mec, je suis tout seul face à 40 mecs aussi. Où est l'équipe? Il pue la merde des alliés. Ah bah moi j'ai touché des ennemis mais personne n'est mort. Ah ouais, non mais les alliés c'est... Ils sont le forts. Le gorille hein. Qui était en face de toi, si tu l'avais tué je pouvais peut-être revenir. Ah ouais, bah attends, bah je vais peut-être le recroiser, le fumer. Parce que là en fait avec ce que j'avais, le rechargement il était... Un peu long. Long? Légèrement. 9 secondes on va dire. Ouais c'est ça, ouais, 19. Oh putain, y avait un mec derrière la cabane quand j'ai pété. Ah. J'ai pété la cabane, hein, j'ai pas. Hein ah. On s'est compris quoi. Oui, t'inquiète. J'ai pas lâché un P. Non, mais. Non, mais. Non, mais vas-y. Mais Cyril. L'autre dinde là qui commence à. À jacasser quoi. Mais quoi hein ah. Quoi? Pardon? Avec quoi il... Ah, un ITFS, ok, je me disais bien, mais j'avais même pas reconnu que c'était un... Ah bah oui, c'était la même chose que moi. Ouais, mais là, équipe de merde égale résultat de merde, hein, évidemment. Oui. Parce qu'au on début de la partie, ça se passait bien, mais après, je sais pas ce qu'ils ont fait, ces imbéciles. Ouais. Putain, j'ai pas compris non plus. Quelle bande d'avortons, quand même, c'est un truc de fou.
Putain, j'ai fait 6 coups. Ça va pas te dire ça. Personne m'a été. Bah, je suis désolé, mais putain, ils avaient pas grand chose à faire. Hein. Attends, quoi? On a eu la meilleure escouade. Mais oui, mais parce qu'on a tout fait. J'étais premier de la game. On a tout fait, ils étaient nuls à chier. Ils finissaient les kills. Ah, ça, si. Finir mes kills, il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Qui ont essayé, en tout cas. Des fois aussi, parce que moi je laisse pas mes kills. Hein. Quand je vois que les mecs ils essaient de me le voler, t'inquiète pas que là je tryhardais pour tirer au bon endroit. Ah oh ouais? Mais au moins, putain, pourquoi on nous retourne là-bas? Je transpire du front. Allez, je vais prendre le T95 direct, comme ça le mal est fait. On va s'offrir, une bonne fois pour toutes. Je vais aller vers A, c'est plus facile à faire avec T95. Ouais, t'es large. Bah j'ai un petit temps de trajet en plus. Tu veux un petit moteur en plus ou quoi? Oh, pas besoin, passe. Va sur A, profite de ta mobilité parce que de toute manière je pourrais pas aller plus vite que là ce que je veux. Non mais je vais pouvoir me faire un petit combat sur Clash of Clans. Ouais. Ah, attends de faire une petite attaque. Ah non. Je me suis remis en ce moment. Ouais. En plus, il y a un événement avec des dragons oui, chelous. J'ai vu ça. Donc, je vais vraiment aller voir, premier degré, parce que j'ai le temps. Donc, Ah bah oui, mais j'ai pas vu encore l'événement. Chacun événement, mais j'ai pas regardé. Voilà, deux tours à bombe. T'as des trucs à récupérer aussi, des trucs journaliers, t'as des sangs. Ouais, il y a plein de trucs. Récompense, 300 médailles. Ah bah c'est pour avoir un truc sur le grand gardien, une capacité qui lui permet d'envoyer une boule de feu qui met des dégâts tellement élevés que ça détruit la majorité des bâtiments autour. Moi je préfère garder son invulnérabilité. Ça pourrait vraiment m'aider à faire des trucs de fou. Ça veut dire qu'il n'a plus l'invulnérabilité. Bon je m'en fous moi de l'invulnérabilité, machin truc. J'y arrive plus, je suis fatigué, c'est bon. Ah, il y a l'air d'avoir du monde parce que l'OBR a pris une cartouche. On est encore en lit. C'est quoi là les trucs? J'adore le lit. Ils ont mis des super dragons, c'est ça qui a marqué, super dragon. Super dragon. Tu les obtiens. Ah, ça doit être des super troupes. Elles seront là que pour une durée limitée. Nickel. C'est un peu comme les peines épices qui. J'adore Dior Parmani. Yes, trop de morts. Après là mon village il est pas vilain non plus mais c'est vrai que j'ai préma en fait, j'ai préma. J'ai beaucoup 6000 qui m'ont de dit gemmes. Mais pourquoi t'as préma, faut pas, machin, Cyril elle sait de qui je parle. Help me. À ces gens là je leur répondais mais si j'ai envie de préma. Ah c'est vrai, j'ai oublié un détail. D'accord. Tu sais, les gens qui disaient de pas préma là, parce que c'était nul de préma, je sais pas quoi. Je me rappelle plus ce que ça veut dire préma. Y'a des mecs vers où là? Oui, j'ai ils plus de chenilles. Ils sont où? Ils sont à ma gauche. Ils vont je suis mort. Je lui ai fait sa chenille, mais je vais mourir. Je dis gloire à la France et vive l'empereur. Ouais, mais alors, s'il était pénétrable ce chien là? Ah, mais en fait, j'étais encerclé. Bon courage, Adrien, oh, et repose. Trop de mecs. Ah oh ouais, mais y'a trop de mecs! J'arrive! J'ai pété le batless. Il me fait le canon, ben ouais! Mais c'est fou ça! Mais mec, c'est du top tier à gogo quoi, mais c'est des chiennes! Non, j'ai plus rien, ils m'ont fumé mon chef de charge, j'ai tout en rouge, tout en orange. Voilà. Il n'y a pas de coéquipier, mais oui, mais parce qu'on fait top tier. Gaz, gaz. Et le problème, c'est que ça va que dans un sens, le top tier. Ça veut dire que c'est que notre équipe qui se fait top tier. Eux, ils ont aucun char de chez nous qui est en top tier par rapport à eux. Putain. Je pense que je vais enlever le 7-3 de. Je suis en approche. Allez, ah, tu veux redescendre en site. Mais parce que là, le problème avec. Voilà, putain, mais mec, ça pue du cul les games qu'on a quand on est en stream, con. Faut arrêter là un peu hein. Le T10M là, il se. Oh putain, quel char hein. Impossible à vaincre là. Ah mais c'est. Ouais je mets. Les chars russes c'est impossible en fait, c'est.
T'as du BTR, t'as du truc là, qui rush comme pas possible. Il faut se dire quand même que les joueurs russes, c'est vraiment les pires sur le jeu, parce que si tu regardes, ils ont des chars indestructibles, mais c'est eux qui ont le plus bas battle rating de tout le jeu. Les joueurs russes, c'est ceux qui perdent le plus. Pourquoi? Parce qu'ils puent la merde, voilà. C'est tout. Et derrière, bah, bien sûr, il y a les deux autres nations bien jouées de Warzone. On ne les citera pas parce que tellement qu'elles sont connues. Oh oui! Oh oui, bah alors ça me fait plaisir. Ça. Ce qui est arrivé au T10M. Ouais. Ah ouais. Ouais. Moi j'ai pris cher, pas d'alliés, on connaît. Toi tu les entends pas, mais eux ils t'entendent à des kilomètres. Je sais pas où il est le mardeur, mais. Je sens que cette fouine n'est pas loin. Ça bouge, non? Mais quoi? Mais non, mais mec, c'est une blague! Je vais quitter le jeu. Ouais, je vais quitter le jeu, je pense. Parce que là c'est pas possible. Là, on va baisser B. Hein. On va aller en 7-0 parce que là, c'est n'importe quoi. Il me reste 3 chars en 7-0 à bien jouer, à bien monter. Et bizarrement, quand j'ai mes 7-3, bah, on fait que tomber sur les top tiers, quoi. Mais que sur du 8-3. Donc j'ai hâte de jouer en 7-3 avec les Américains. Non, moi j'ai hâte d'être en 7-7, comme ça j'aurai moins de problèmes. C'est une folie! C'est une folie quoi, que du top tier, ça n'existe pas notre BR. Putain! Sérieux, Gaijin, au lieu de rajouter du contenu payant, vous pouvez pas réparer votre jeu là? Putain. Le jeu il est de plus en plus broken là ici. Plus personne n'a envie de voir ça là. À part les joueurs russes là, qui ont la facilité dans leur line-up. Quoi. On va en 7-0, c'est ça? Ouais, 7-0 parce que là, 7-3, c'est impossible de jouer. J'irai en 7-3 quand j'aurai le 7-7. Ah, je. Bah, 7-3 ça va, 7-7, c'est que... la même chose. Moi, je tombe en 8-0 avec l'MX50, ça va, je vais tout regarde ce qui se passe sur ma gueule, quoi, c'est une folie. Ouais. Non, 7-3, là. Non, mais regarde un peu ce qui. 3 chars légers sur ma gueule, putain, à sortie du spawn. On est en début de game pratiquement. Ça bah moi j'ai plus de char, je me suis barré. Hein. Bah vas-y. 7 minutes de jeu, on est en train de se faire spawn kill. Voici War Thunder, le jeu. Bien sûr, le mondialement vanté, reconnu et tout. Allez, on enlève les 7-3 parce que là j'en peux plus. C'est injouable. Ça a gerbé. Mais c'est tellement nul quoi les parties qu'on a, s'il te plaît. Mais c'est quoi ce bordel? Que du 8-3 en boucle. Quel jeu d'enfoiré quand même. Laisse-moi voir le BR du... Ou alors s'il faut c'est juste qu'ils ont mis en bas BR des trucs qui n'ont rien à y faire. T10M. 8-3, voilà, c'est ça. Allez, ben, niquez bien vos mères. Putain, mais c'est un truc de fou, y'a que ça en boucle. Ce qui est marrant, c'est que quand t'es bas BR, t'as pas de top tier. Ah à partir d'un certain niveau, tu tombes que contre ça. Ouais, c'est affolant là, c'est injouable con. Et on se fait niquer nos ratios par ça là, par des connards de joueurs allemands et russes en boucle là, putain. Ouais, mais moi déjà que j'ai un petit ratio, ça aide pas. C'est sûr que je prends cher. Bah ouais, mais si tu tombes tout le temps sur des games comme ça, c'est pas étonnant. Là. Après, j'ai des games où je suis 8 kills, 6 Merci kills. De rien. Mais... Ça faut vraiment qu'il est parti. Hein. Pouah, mais c'est affolant, hein. Franchement, j'ai jamais vu ça. Et là, vas-y, on va être en 8-0 maintenant. Et ils vont bien nous faire la blague jusqu'au bout. Là, si 8-0, on est en 8-0, c'est la fin du stream. Alors, on est en 8-0. Non, on est en 7. On va sur C. Ouais, on va essayer d'aller sur C. Si je vois des léopards partout, je. Après, non, mais t'en auras pas. Fini. On est en 7-7 max. Comment ça? Bah, par rapport à la nucléaire. Bah, bon, nickel. C'est déjà un peu mieux. Je commence à reconnaître parce que vu le nombre de fois que je veux une autre nucléaire qui est pas la bonne. Du coup on est en up tier mais c'est pas grave, c'est pas dramatique comme quand on a du 8-3 en face. Non, c'est pas grave. 8-3 mais tu veux qu'on fasse quoi en fait ? J'ai juste pas mes chars qui ont de la peine. Et les Russes et Allemands là, c'est un duo à ce BR, ils ont les chars les plus violents, qu'est-ce qu'on fasse ? Peut-être pas les Allemands mais au moins les Russes. Les Allemands ils ont pas des chars si
Le max que ça, mais ça me saoule là. Ça. Les Américains surtout. Dès que je suis en stream, le jeu il devient jouable parce que. Quel hasard, rien. C'est bon, avec Cyril, on se Les bugs graphiques, bien sûr, qui arrivent au bon moment. Au moment où je passe à un endroit dangereux. Non, non, il est. On a moins de top tier. Putain, mais comment ça je suis pas dans la zone de jeu là. Là, je suis pas dans la zone de jeu là pour toi. Je copule avec la zone de jeu. Merci. Est-ce que tu es que zone de jeu, d'accord? Ah non, mais je sais pas ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'il y a, Cyril? Rien, j'entends des choses bizarres. Ah, t'inquiète, c'est normal. Bienvenue sur War Thunder. Ah, okay. Je retourne regarder. Il faire exploser à la. Enfin, c'est un truc. Il s'est pris un obus, non, le Ratel? Non, mais j'en sais rien, ça smoke comme pas possible. Bah... Allez, voir. Allez, c'est bon. C'est bon. On va arrêter le jeu. Mais regarde la turbo salope. Il était où? Putain, mais à son spawn. Quoi? À son spawn, je te jure, il est à son spawn. Mais c'est une salope. J'ai vu le terme, mais. Injouable le jeu. C'est clair, c'est net, c'est dit. Injouable. Ce soir. Un jeu de merde. Il faut beaucoup de chance pour jouer à Warzone. Ouais, vous verrez. Et les Français n'en ont pas. Ah, je pense que ça me suit là d'avoir été main France. Putain, le 6-7 américain c'est nickel, tu tombes au moins contre ton BR. Mais dès que tu passes le 6-7 américain, tu te fais top tir à gogo et les mecs en face, c'est les plus grosses. Mais salope que le monde est connu. Mais quoi? Mais mon obus arrêté par quoi là? Sale chien. Je l'ai vu, il a passé derrière le coin de mur et ensuite il a pété en l'air. Mais c'est quoi cette connerie? Ouais, non, c'est perdu. C'est perdu. Plus 15. C'est... Non mais là je vais... Ah, il a pas la ref. Non, non, je l'ai pas. Je vais... Non. C'est fini. Non, en gros des FF15 c'est dire que normalement sur LoL à 15 minutes tu peux FF, bah du coup FF15. Oui. On abandonne à 15 minutes. Oh, c'est fini pour moi, hein. Aucun moyen de faire un seul. Tu coup. Veux... Je t'attends pour cap. Ah bah là je sais même pas comment t'as pu approcher le point, moi je me suis fait despawn direct. Je vais me faire despawn, t'inquiète pas, ça c'est clair et net que ça va m'arriver. En plus j'ai même pas assez de peine pour pénétrer un HLM. Un tigre de HLM. Il y a le moins de trucs. Moins de trucs qui débarque, je prends un obus, je suis mort. Ouais. Mais regarde, le mec en ratel il fait plus de kills que moi. Ah c'est un léger. Quand c'est moi, il rate pas le tir. Quand c'est lui, putain, ils l'ont même pas one shot. Alors que c'est facile, tu tires dans l'avant du char, c'est fini. Oui, t'as un obus explosif et voilà. Ah ouais, tiens, moi, mec, il m'a foutu en plein tourelle depuis son spawn en plus. Mais c'était vraiment depuis son spawn, depuis la sortie de son spawn. C'est ça qui m'a étonné, quoi. Le mec, il a trouvé une ligne de bâtard, quoi. Mais c'est affolant, ça arrive qu'à moi, ça. Non, c'est fini. Pour quelqu'un? Ouais. Quoi? Son canon s'est pas cassé? Non. Non, je tire dans son canon, mec, son canon se casse pas. Et oh non, mais attends. Non, mais là. Non, je recharge. Le monde entier que ce jeu il est mal fait. Non pénétration. Oh là 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 là. Pourquoi non peine? Non peine, un tigre là qui est devant moi. N'importe quoi. J'ai fait la chenille. Il est où, c'est désolé, quoi? Mais j'ai pas reçu. Un tigre 2. Non mais là y'a que ça là en face. Putain. La chatte que mon obus il est bugué. Je sais pas ce qu'il a fait mon obus. Il a été là, hein. Y'a un truc qui se rapproche, hein. Y'a un T44 derrière. Y'avait un T44. Ah nickel, merci. Non c'est pour moi, il a explosé au loin. Et l'autre mec que t'avais... Non mais il est mort. Le tigre il est mort, le tigre qui t'avait emmerdé il est mort. Nickel. J'en peux plus de ce jeu, c'est une folle. Le fait d'être en stream, ça porte malheur, c'est un truc de fou. Ah, nouvelle cible.
Ah. Il y en a un autre à côté de lui. J'aurais d'abord dû tuer l'autre parce que l'autre c'est un IS-2. Ah oui. C'est toi qui l'as tué malheureusement, je suis mort. Ouais, non, je suis mort mais. Il recule, il se planque derrière la carcasse de l'autre. J'ai pas réussi à toucher sa coupole. Putain, je suis mort. Bah ouais. Mais c'est vraiment que de la chatte, hein. Parce que là, en soi, mon placement, il était pas si mauvais que ça. Mais au moment où je passe, c'est là qu'ils respawnent tous en même temps. Parce que sinon, c'est pas drôle. Putain de dieu de merde. Wouah, mais les games, elles sont éclatées au sol, quoi. C'est une folie. Ah, en ce moment, Warte, je sais pas ce qu'il a avec moi, mais putain, me mettre full top tier à chaque fois que je suis une game. Des fois, autant ça passe parce que la map elle va, mais là, les maps qu'ils nous donnent, elle est plus de cancer là. Là, c'est la map. C'est ce que c'est. C'est la map où c'est les mecs qui sont en top tier qui dominent. Donc, évidemment, bah, c'est pas moi. Parce que pour être en top tier, on est quasiment jamais en top tier. Hein. Bah ouais, mais ça, c'est pas normal ça, putain. C'est basé sur quoi leur putain de drop là, enfin, leur putain de chance d'être en top tier. Et hop toi, ferme là. Non mais alors lui par contre il était arrogant. C'est le attaqueur là. Ah oui. Lui en bot il était arrogant parce que il vient devant le spawn et en plus il nous montre son seul point faible. Bon son seul point faible, je lui en aurais trouvé un autre mais... Son seul gros point faible, c'est-à-dire les flancs. Ouais. Ça se balade chez nous. Ouais, mais il se balade dans tous les sens là, mais il y a personne qui fait rien. Une équipe de PNJ. Il n'y a aucun qui va essayer de capturer B, donc je vais le faire avec le Toutel. Le Toutel en... J'arrive. Ah, il est en 7-0 lui. Oui, il est en 7-0, mais il devrait pas, il devrait être en 6-0. 6-7. Tu veux un coup de main ? 7-0, il est pile trop. Ah, tu veux un coup de main ? Non, mais on peut pas me pousser, je te dis vas-y, il faut que t'avances. Ou alors, à la limite, toi, sers-toi de moi comme protection. Mais... Il y a un mec à gauche là-bas. Bah. Ils ont signalé un mec par. Oui, j'ai pris une balle d'un tigre, moi, tout à l'heure, je crois qu'on peut deviner. Attends, je vais aller voir à gauche ce que c'est ces histoires. Vraiment, il y aurait un mec vers là. Un signalement, ça me paraît bizarre qu'il y ait un mec là, parce que ça veut dire qu'ils l'ont laissé passer en plein dans nos lignes tranquille. Ça que si on voit, tu sais, mecs, ils jouent pas assez groupie quoi. Putain, c'est fou. Ouais, à droite, il a besoin d'aide d'urgence. Le T34 et le T30, pardon, Jock One, là, parce que là, il est en train de nous signaler des mecs depuis tout à l'heure là. Ça a pas l'air de marcher là-bas. Ouais, point C envahi, regarde tous les ennemis qui sont signalés. Ils se font tuer, mais. Et notre allié, la T34, qui arrive pas à avancer. Moi, je vais avancer. Je vais leur montrer que c'est pas possible. Une tortue que... Oh, mais regarde ce qu'il y a, les avions à réaction qui passent. Ça, c'est du. 6. 7-0 ? 7-0, ouais, c'est ça. Ouais. Il a des canons de 30 mm, s'il te plaît. Désolé, je t'abandonne, mais j'ai pas envie d'être une cible non, collatéralement. T'inquiète. Oh bah après, il risque pas de faire une collate par rapport à moi. Hein. Parce que moi, un obus, s'il rentre après, il va sortir de l'autre côté. À targuer des bombes. Non. Non, le T-34. Mais si tu recules, fais-le bien, s'il te plaît. Laisse-moi passer, là. Déjà que je suis lent. Je sentais qu'elle allait faire de la merde. Comme tout bon allié. Sur Warte. Il est où, le mec qui l'emmerde? Je regarde, mais je ne vois rien. Je vois ma carcasse, c'est tout. Attends, moi je suis pas loin de leur spawn en soi. Je vois personne même là. Ouais, mais les mecs ils stressent ici, donc ça veut dire qu'il y a forcément un mec dans la zone que j'ai pas vu. Vu que ça ping pas. Ah non, pas mais trop c'est savoir. Moi qui ai la tunnel vision là, c'est clair. Pourquoi il est aussi méfiant de la zone où je suis là, quel...
Non mais regardez un peu. Regardez ce que ça a affiché en haut. Non non, j'ai tiré sur un IS2 de côté, ça a affiché un truc mon pote. C'est n'importe quoi. Mon obus il a pété en touchant. Oh putain de merde. Alors. Ah non mais ça c'est pas normal, ça de la peine. L'IS2, il est... Oh oui, il y a un IS3 ici. Oh, plus de chenille gauche. Il a plus de chenille droite. Il a plus de vie dans... Merci. Alors l'IS2 maintenant, il est vers là. Tu le vois ou quoi? Non, je le vois pas, mais j'y ai tiré dessus, un tir à la tourelle et j'ai les peines. Oh là là, là-bas y'a un mec, ouais, tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu direct. Hein. Il se laisse plus dépasser bizarrement maintenant. Ouais. C'est bizarre, je crois qu'il y en a un qui sait que s'il sort là, c'est fini pour lui. Et là, sûrement à mon avis, par là, dans cette direction là, il va y avoir du monde. Déjà, y'en a un dans la rue là, je pense que c'est un entière, donc il va me niquer. Parce que je suis tellement lent qu'il va me faire canon chenille, ça va être fini. Et là-bas, il y avait l'IS2, donc je pense qu'il est allé dans cette rue. Ah, derrière nous! Comment ça? Il a fait le contour, mais largement le contour. Derrière le bateau. Ah, c'est l'IS2? Derrière toi. Une bombe nucléaire. Ah, mais je suis derrière toi en fait, ce mec. Allez, putain! C'est pas le moment de mongoliser, putain! Il est là. Non, il y a une carcasse pile derrière moi, mais mec, regarde l'injustice de ce jeu. Non! Alors là, non, impossible qu'il me fasse. Non, mais vas-y, regarde l'irréalisme. Il m'a fait le canon alors que son canon n'était même pas sur ma. N'importe quoi, mais s'il te plaît. Son canon n'aurait même pas dû me faire le petit canon. Il était même pas. Il se croisait même pas, ça n'a aucun sens. Un peu de peine de face. Je viens d'apprendre un truc de fou, ça m'unique sur Twitch. Ok. Ah ouais? Regarde-le, là, son froid de château, regarde-le là. Bah ouais, mais... C'est incroyable. Putain, mais c'est un truc de fou quand même. Quel malchat quoi. Putain, le mec en fait il avait mon canon sur le dessus de mon char. À la limite, il aurait pu me faire une coupelle et non, ça a compté mon canon alors que mon canon il était bien plus bas que son canon à lui. Ça n'a aucun sens, War Thunder. C'est vraiment, mais putain, des fois t'as envie de les fumer quoi. Fais deux nukes. Mon putain. Oh putain, c'est magique quand ça arrive, ouais. Bah, c'est pour aujourd'hui que je vais faire ma 7ème. On a toujours pas fait une. Non mais après ça vaut rien de faire une nuke, tu gagnes 10 000 balles si t'as pas de premium et 15 000 si t'as un premium, ça vaut rien du tout. Ouais. Non mais les récompenses de la nuke elles sont moindres, hein. Ça pue la merde. Genre tu gagnes plus de sous en faisant un god mode alors que c'est plus facile à faire. God mode tu prends 15 cm et c'est fait en pas longtemps. Ça c'est ce que j'aime pas avec ce jeu aussi, c'est que ça récompense pas assez les vraies actions et par contre t'inquiète pas que... Les mecs qui campent pendant toute la game, eux, ah ouais, eux, ils sont récompensés un max. Pas. C'est clair. Bah, bienvenue à toi, Marx. J'ai pas fini WF1, moi. Moi, c'est quoi tu es. Ouais, il me reste encore la transmission. Ah, c'est une folie les games depuis qu'on est en live. Hein. Je t'assure, avant là, même les games d'avion, alors que je suis nul à chier en avion. Même moi en game où j'étais chrominé ou avec Maël, encore ça se passait bien. Non, regarde les maps. Ouais, je prends le T95 sur celle-là. Je prends ma... Parce que sur celle-là, là, je vois bien un T95 en snipe. J'ai pas ma tortue. Ah, t'as pas ta tortue. Eh bah oui, du coup, ouais.
T'inquiète, je vais prendre mon HLM. Au moins, tu veux que je prenne mon petit char? Allez, on se focus, on reste concentré. Et la victoire est à nous. On a l'air d'être au bon BR. Ah ouais, ça va. Effectivement. Masque qu'on a, c'est 0,3 BR de plus à la limite, mais c'est rien ça. Non, mais maximum qu'on peut avoir, c'est 0,7 de plus. Ah ouais. Là, déjà, dans notre équipe, j'ai vu 1,7,3. Sinon, c'est tout. J'ai pas vu d'autre chose. Ah, ça smoke déjà. Mais pourquoi? Ils font chier, Isaiah smoke hein, dans tous les sens au début. C'est la M46 qui a smoke. Ah, ils pètent les couilles à smoke dans tous les sens comme des imbéciles. Et smoke, c'est fait pour sortir de la merde. Hein. Pas pour foutre la merde, justement. Eux, ils font. La merde, voilà ce qu'il faut. T'inquiète, il sera de se faire allumer parce qu'ils sont smoke et du coup il veut pas où le mec il tire. On a bien fait pour leur gueule. Hein. Bon, avec mon HLM, faut que je trouve une bonne position. Là. C'est sûr. Oh oh wow, j'ai touché un char mais en tirant au pif quoi. Sérieux? Ouais ouais. Tiré en flash ou? Ça aurait été bien mieux si ça avait été avec un char, mais là le problème c'est que j'aurais. Merde. Je viens de voir un char qui vient de spawn juste devant moi. Il est où, il est où, il arrive sur toi là? Ou il est loin? Il y a beaucoup d'alliés avant toi, je pense. Comment ils sont avancés les autres ponts? On sait, en fait, ça nous rush B en fait. Attention, là, il est sécure. J'ai en train de péter tous les buissons, tous les machins là. C'est le machin qui serait capable de te ralentir en fait. Non, non, même pas de me ralentir, juste de me gêner la vue parce que du coup je suis à ras du sol au niveau de la visée. Ah oui. Je vois ultra bas. C'est pour ça que l'IS2 il avait aucun moyen réel de me peindre le canon comme tout à l'heure. C'est, il a quand même réussi par chance et pure. Oh, c'est comme moi hier, j'ai bien réussi à peindre le canon. Je pense que juste canon, parce qu'il était collé à moi en fait, ça, je sais pas, ça a fait un truc chelou. J'arriverai même pas à expliquer comment c'est possible en fait qu'il ait touché le canon. Sachant qu'il pouvait même pas, même avec sa dépression, il pouvait pas me le toucher là où il était. Je l'avais calé pile dans son. Dans son joint tourelle. J'étais collé à lui quoi, je veux dire. Mais... Que pouvait-il réellement faire? Pas grand chose. Bon, ça peut... Je serais mort, c'est ce que je sais. Bien gentiment. Attention, attaque aérienne. 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0. Il a totalement choqué, ça me fume en fait, ça qui me saoule là là. Les mecs en face ils te mettent des trucs de fou. Non, les avions sont pressés. Ouais, y a du BMP1. Je leur donnerai un billet si je reste tranquille. Oh, y'a un mec sur moi. T'es où toi? On surmarche. Ouais, je te vois. C'est à quoi? Il va me péter le canon. C'est un IS. Je vais pas faire de kill de la game, je sens la game va pas durer longtemps là, elle va être courte et j'aurai pas le temps de voir un mec. J'ai même pas vu un mec sur qui tirer. J'ai vu un mec tirer. Non mais c'est sérieux ça, je vois.
le vois pas d'ici. Ça va rien. Non mais mec, regarde. Je sens que je vais pas avoir l'occasion de tuer même pas un type. Ah si, quand même. Ah. Mais lui aussi il était arrogant, il était arrêté en plein milieu de rien. Il y avait rien autour de lui pour se cacher, il s'est arrêté, il a tiré sur un allié. Il a abusé lui aussi. Ah, ah. Il a reculé bien vite le monsieur. C'est quand même suspect hein, quand quelqu'un recule comme ça tu sens qu'il était pas trop en confiance au moment où il t'a tiré dessus. Je vois bien. Ça va pas tout seul. J'ai pas le char le plus redoutable de l'histoire de l'humanité non plus, je viens tout à l'heure. Il y a du monde en face de moi. J'ai un visu sur le point. Oh. Il y a un mec sur mon côté. Ah, sur la gauche, tu parles. Ah, il y en a partout. Une table. Putain, mais derrière nous. Deux devant moi. Il me fait chier depuis tout à l'heure. Il y a un entier qui arrive, je sens que je vais me faire baiser par les deux en même temps. Comment ça? Je me fais allumer mais je vois pas la personne. Je crois que j'ai vu un ennemi. Je le vois. Un ennemi qui putain c'est en ZD dessus. Salut ange démon. Alors fais gaffe, c'est un mec à droite. Il est de super loin. Allez hop. Attends, est-ce qu'il y a un tigre 2 qui me tire dessus sur moi là vraiment? J'ai besoin d'assistance d'urgence. Je suis mort, je suis au spawn. Je pris le véhicule le plus rapide que j'avais. On a des games de merde. Il essaie de faire quoi? Mais ça me tire dessus de partout. Il faut vraiment faire quelque chose. Je vite que je peux. Il faut vraiment faire quelque chose. Carnage. Non mais mec on m'a fait toutes les chenilles. Mais il y a toute l'équipe ennemie sur moi, je les occupe, faites quelque chose au moins. Oh le mec mais... Non mais c'est pas possible, on a vraiment une team de boss. Je... Oh ouais non ça fait. Et je les occupe tous, ils arrivent quand même à... Ah mais le truc c'est qu'il y a une ZDSU, tu l'entends jamais. Tu l'entends une fois que t'es mort. Ah là, je vois que ce qui fait des kills, c'est pratiquement un peu des entières et des légers. J'ai tenu 40 ans. Salut Ange Démon, ça va? Moi ça va pas. Les top tier on connaît, on souffre. Non mais c'est même pas du top tier, hein. C'est juste l'équipe qui est défaillante quoi. Enfin... Bah ouais. Je sais pas ce qui se passe, mais tout le monde se fait niquer d'un coup là, c'est, ça m'étonne parce que j'avais vraiment, pour moi j'avais au moins 6 mecs sur moi, donc je veux dire, il vous reste quoi, une dizaine, une vingtaine sur vous? On a déjà, bah ouais mais c'est normal que vous perdez, regarde, regarde le nombre de personnes qui ont quitté la partie. Ah oui. C'est normal, vous êtes solo contre 40 mecs en face. Ah bah ouais mais ils ont une supériorité numérique. J'en avais même pas un quart en fait sur moi, ils sont tous encore en vie. Non, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux que.
On passe face à ça. Je disais bien, c'est pas possible que les mecs derrière ils se fassent détruire que par 3 légers. Ça n'existe dans aucun monde, ou alors ils sont vraiment très nuls. C'est bon, j'ai trouvé la raison, c'est juste qu'il y en a plein qui ont quitté déjà. Ah, c'est chiant les mecs qui quittent. Hein. Parce qu'ils abandonnent l'équipe et l'équipe du coup après se fait violer. Ça c'est chiant. Il va y avoir une pénalité pour pas tirer. Quittent, alors qu'ils peuvent encore. J'ai pas peine. Putain mais. Je prends l'enfer, je peux rien faire. Oh putain, tu nous as fait un couplet de rap. Pas mal. Ah bon? Ouais. Bien aimé, ouais, c'était pas mal. Bon bah. Ce que ça intéresse, vous pouvez clipper au pire des cas, ça fera de la musique. Oh! Au secours, je zapping, faites quelque chose! J'ai beau essayer, j'ai plus de cœur d'ailleurs. Mais tu peux le faire, moi je crois en toi. Ah mais j'ai plus de cœur. Ah, bah. Envoie de la force. T'inquiète. En soutien. Envoie beaucoup de soutien. Soutien. Ça peut aller, juste des problèmes familiales. Ah. Ah. Bon, on espère que ça s'arrangera alors. Hein. J'espère que c'est pas trop grave aussi. Mais si tu veux en parler, tu peux. Bon, peut-être pas sur le stream, hein. Je te conseille pas de le faire sur le stream, on sait jamais. Il y a des gens parfois un peu honnêtes qui débarquent dans les chats, comme des gens qui pubent, des gens qui viennent juste pour insulter, ça se fait aussi ça. Ouais. Des gens qui veulent casser les autres en fait. Tigre 2 dans le futur dessus, non? D'accord. Mais quoi? En fait c'est ça, les dégâts post-peine ils puent la merde donc. Eh hey, j'ai tiré bien au centre, je me suis dit ça va le tuer. Le char, rien à branler. Oh wow, c'est une folie. Attends, j'ai joué M50 tueur, ça va être nul. C'est clair. Je le sens arriver. Oh il est pas mal le camo. Ouais mais c'est à force de faire du kill avec. Mais après, il y a une époque où c'était plus difficile aussi à avoir les camos. Là c'est un peu facile en ce moment. Là c'est du 1 pour 5. Un petit peu grave. Ah merde! Oui. Alors déjà quand tu dis un petit peu et suffit de grave, c'est que c'est pas réellement un petit peu grave, c'est que c'est grave tout court. Ouais. C'est vrai qu'en soi c'est grave. Complete. Si jamais tu veux en parler. Il est celui-là. Mais ne t'étale pas trop dans le chat parce qu'à mon avis. Peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais en parler, ça aide aussi en fait. Les gens. Moi j'écoute les gens, j'écoute. J'écoute même les ennemis, vous voyez, ils demandent des obus dans la tronche, je viens leur apporter. Leur livre par pack de 6. Oh, il est à toi. Non! Oui! Il était à moi! À moi! Seigneur est là. Oh, oh, ah. Ah. Le même problème quand j'ai l'ULC Miss. Quand un agent qui passe, tu mets une cible facile. Oh je l'ai encore, ouais non, je vais pas le reprendre, je vais prendre T34. Ah là. Ça c'est de la bonne. Ouais, c'est chiant à peine. Oh, tu verras qu'il a un gros point faible quand même. Backess, il a un énorme point faible. Hein. Genre y a que dalle comme blindage. Ça veut dire qu'un panthère ou un tigre à chien, ça peut le peine en bas de caisse. Il y a le bas de caisse, il y a les joues de tourelle. Ouais, ouais mais quand t'as un. Sur les côtés de la tourelle. L'OF1, je sais même pas trop où je tire. L'OF1, tu essaies de viser le dessus du char. La petite coupole à l'arrière. Et sinon, si tu vises pas la coupole, tu vois, t'as deux petites trappes à droite et à gauche de l'avant de la tourelle sur la caisse. Ouais. Là, tu tires là-dedans. Ok. Oh, regarde-le, lui là-bas, comme il est mignon. Hop là. Il était mignon. Non, maintenant, non. Il était pas mignon, maintenant il est encore plus mignon. Ah bah oui, là je l'ai décoré d'un petit obus. Ah mais tout ce qui est mignon est. Un bon ennemi est un ennemi mort. Ah ah, enfin, ah oui, totalement. Ah, ah, tu l'as vu le mec? Je suis en train de lire le chat en même temps. Ah. Y'a un mec là. En face.
Je regarde sur tous tes autres côtés, t'inquiète. En face de toi, tire 2. Ah, ça j'adore. Dans l'arrière-tourelle, mon pote, les munitions, ça rate jamais. Surtout avec un obus aussi gros que celui du T-34. Oh, bah, finalement, j'ai bien rattrapé le score sur celle-là. Ouais, du coup, mon pote. Là, on se régale. Là, quand c'est pas top tier, c'est bien. Mais putain, mais dès que je mets 1-7-3, c'est 8-3. C'est un truc de fou. Mm. Et je crois que c'est le 7-3 qui est maudit. C'est pas vraiment le fait d'être en stream. C'est... Je pense que c'est vraiment le 7-3 qui pose problème. Bon, pour le M46. Mal équilibré, tu veux dire? Hein? Mal équilibré. Ouais, je pense que le 7-3, il doit pas y avoir assez de monde. Et du coup, ils te mettent en top tier au lieu de te mettre en low tier. DPR. Je sais pas trop comment ils font, je sais pas comment ils se débrouillent. Vous y arrivez pas quand je suis pas là, faut arriver à être fort sur Warte sans ici les enfants. Bah putain, quelle arrogance de la part de quelqu'un qui est nul. Mon dieu, qui est cette personne qui a écrit ce commentaire? Oh là là, on se le demande, Cyrielle. Oh bah alors là, cette map, si je joue pas le T95, je suis une grosse merde. Oui. Ah, moi, je rigole. Alors toi là, tu méritais juste que je te quitte. Oh. Carrément, tu vois. Carrément. Bon. Allez Cortez, on va leur montrer qui c'est les patrons. Ouais. En 7-7 max. Je dois aller faire quelque chose. Je veux que quand je revienne, Flo, tu aies fait au moins minimum 4 kills. Non, mais ça va là, oh, tu non, t'en demandes pas un peu trop là. Je demande au moins 2 minutes. Est-ce que tu as cru que j'étais un bon joueur? Bah, tu t'es trompé. Je suis une daube au jeu là. Putain. Ça a été cookie, là, demandé 10 kills. Hein. De quoi? Ça a été Cookie qui serait là, elle a demandé 10 kills. Hein. Ouais, Cookie il est bon. Des fois il. Eh attends, j'ai vu Cookie se taper pour mauvaise game, ça m'est arrivé devant ça, j'ai eu ce privilège là. Ah oui. Bon, après mais c'était que c'était que en top tier. Ah bah c'est sûr que là. Tu prenais les... bah, parce qu'en fait même les joueurs russes, ils ont la même difficulté que tout le monde en top tier, c'est les Allemands. Les Allemands et Suédois, c'est pas possible en fait. Bah c'est sûr. Oh, il m'a pas peine, c'est mignon, Daviana. En même temps, t'es une tourtelle. Une tourtelle twist. Tu ouais, prends un obus, pas mal. Moi aussi, je fais mal, mais c'est pas même tourtelle. Dégâts. Tourtelle. En face de toi, là. Ouais. Hein, non peine. Chenille, du canon, il pourra pas tirer. On va pas tirer, tu peux allumer celui de droite. Bon, bah si tu en veux pas, moi je le prends. Non, mais moi j'ai un temps de rechargement, mon pote. Quand je peux tirer, ah c'est bon, le futur déjà, tu vois. Ah oui. Ah, non, c'est bon. Hein. Trop, parce que tu vas m'empêcher de voir la ligne. C'est mal. Type canon. Non. À l'autre là. Non, mais c'est une blague, la chatte qu'ils ont, quoi, s'il te plaît. En secours. Que quelqu'un vienne me réparer. Un crochet sur le côté. Ouais, il faut venir me réparer là, d'urgence. Ok, my soul. Oh, c'est bon, il me répare l'autre. Oh, c'est un génie. Oh. Aïe. Ouais, bah, il vient de prendre un obus, non ? Je gagne devant toi, t'inquiète. Il y a un mec qui est passé au fond là-bas derrière. Je gagne là, moi. Mais quoi ? Bah ouais, mais. Il t'a visé mais mec, ça arrive qu'à moi, ça. Le mec, premier truc qu'il touche, tube canon. Ah, mais quelle bande. Wow. Quelle bande de connards quand même, ils ont eu du bol là sur ce coup là. Ah non, je pense qu'il faut le jouer en open field. Aïe. C'est des sujets de merde. Non, le T95 il est dur à jouer. Il devrait pas être en 7-0, il devrait être en 6-7. 7-0. Je sais pas du quoi, un membre d'équipage. Il est trop lent. Les légers ils te niquent, les chars lourds ils te niquent aussi parce qu'au final ils peuvent te destroy. Ils ont toujours moyen de te destroy. Oh, j'ai visé sur le au-dessus du IS-2. Oh putain, je suis deg, j'aurais aimé pouvoir faire du kill avec le T95, tu vois, parce qu'il me faut le monter. Ah oui, j'aurais pu dire si avec mon kill cumulé ça aurait pu le faire, mais en fait non.
problème c'est que quand j'étais 95, y'a personne qui vient à moi et du coup c'est moi qui suis obligé d'avancer et je meurs. Si tu veux que je vienne avec toi, au pire, je vais prendre le LC bis, je vais me cacher derrière toi. Regarde toi, tu meurs. Et moi aussi, je vais mourir bientôt. Ok, bah normal. Tu vois, je suis pas trop aidé là. Et non, mais c'est en face de moi, je suis pas trop bouger. Oh là là, ce jeu l'ai bien fait sinon. Le hitbox. Tu veux que je vienne t'aider ou pas? Ouais. Il faudrait me tirer en arrière déjà. Je me dis, c'est trop tard, c'est trop large. Il est jamais trop tard. J'ai fait manger un obus à venir, alors il est jamais trop tard. Ouais, oh, j'ai fait la transmis presque. Ouais, je l'ai signalé, c'est un peu. Zéro dégâts post-open qu'ils ont ces chars américains aussi. Ah, ce BR, c'est vraiment affreux. Je sais qu'après ça en vaut la peine parce que un plus gros BR, ils sont bien de fou les Américains. Mais en fait, là où les Français sont les meilleurs comme BR, bah ouais. Les Américains ne sont pas du tout. Je suis au niveau de ton cadavre. À part peut-être en 6-7, le 6-7 c'est vraiment le BR des Américains et des Français, c'est un truc de fou. Mmh. Et des Allemands. Ouais, c'est un peu le BR à tout le monde, le 6-7. C'est l'un des meilleurs BR du jeu, je pense. Le 6-7 c'est le BR où tu peux jouer comme il faut tes chars de la Seconde Guerre mondiale avant de tomber sur du char de la guerre froide. J'adore te voir tirer parce que quand tu tires, ton char il se penche en arrière. Ouais, c'est le recul, mec, tu connais. Ah, c'est trop bien le ref, moi j'adore. Il y a un tigre 2 au bout de la rue. J'ai adoré le jouer. J'ai eu un peu de mal au début à. Avec les obus, des strats ouais. Avec, mais. Oh, mais j'ai fait de la merde. Je lui ai dit qu'il y avait un tigre 2, mais. Ouais, je sais, je pensais pas qu'il allait me peine aussi facilement, c'est ça le problème. Il est mort. Ouais, mais ils ont une peine de fou, les tigres 2, c'est ça le problème. Les Allemands, ils sont trop puissants par rapport à ce que c'est. Wesh. Ils ont pas le droit d'être en 7-0 là, les tigres 2 ils devraient y être déjà depuis un moment. Oh oui. Allez, moi je prends les mix MK4. Je ne pense plus. Ah, mais je suis mort, je viendrai spawn en fait. Ah, ok. Nickel, il y a un Dless même qui a fait le coup. Les bugs des graphismes War Thunder ils sont explosés au sol. Ils sont à 45 FPS d'un coup, je sais même pas pourquoi. Oh là là. Je suis à 33 là. Bah là tu vois le jeu il s'est casé sur les FPS de mon écran pour une fois autour des 140. Attends, c'est un 140 Hz, c'est putain depuis que je suis passé en 140 Hz, c'est un plaisir. Parce que je me suis rendu compte que mon ancien écran c'était du 30 Hz. 30. Ah oui. Effectivement. Ça commence à dater FPS, un peu. C'est un peu dommage. Ah, je peux monter à 60 moi. Et du coup, ouais, j'ai pris un 140 en 4K. Et je suis vraiment pas déçu. Il est plus petit que mon ancien écran, mais ça c'est pas grave. La taille de l'écran, je trouve qu'on s'en fout. Il vaut mieux tout favoriser dans la qualité. Bon. Parce que vu que c'est un truc sur lequel on a nos yeux tout le temps, vaut mieux qu'il soit pas dégueulasse. Sinon, ça abîme les yeux direct. Si t'as plein de petits pixels et tout ça, tes yeux, automatiquement, oui. Ils essaient d'améliorer la netteté et du coup, bah, fais gaffe, ouais, il y a un mec sûrement vers là-bas, ouais, vers là où t'as pointé le camion. Alors, j'ai bien le fin. Ah, moi, j'ai fait de la merde. T'inquiète. Un ou deux, ça fait 3 kills. J'arrive à saturation. Hein. What the fuck? C'est quoi? C'est un P8? Lancaster encore. Ce qui me fait marrer, c'est que tuer la personne, moi, qui est en plein milieu, puis on va viser toi alors que t'as des mecs qui sont gros pires. Non, il a juste raté sa bombe, cette espèce de nulos. Il a la bombe la plus puissante du jeu, il a raté. C'est vrai qu'il avait largué loin de toi, hein. Il aurait pu même ne pas te tuer, il aurait pu faire 0 kill tellement il est mis. Hein. Ouais, tu non, tu lui aurais mis un shot au canon, mon pote, on aurait fait un kill. Hein. Oh, il va tomber.
Qu'est-ce qu'il fait ce rapide? Oh bah il est mort. Oh pas loin. Bon, écoutez, si j'aurais touché, j'aurais été content. Et du coup, je passe dans des ruines. Ouais, c'est super. Je tire. Moi j'aime bien la M13, il est pas mal. Ouais, moi aussi j'aime bien. J'aime bien le look de celui-là. Oh, pourquoi là. Très original, mais j'aime bien. Alors que les. Ouais, je suis pas fan du look des. Je prends de la XM4. Je trouve la tourelle elle est vraiment très laide. La caisse ça va encore, mais la tourelle elle est vraiment très laide. Parce que leur atelier en fait il se voit direct. Oui. Clairement dessiné à l'arrière de la tourelle. Alors que d'autres nations, ils ont pensé à faire. Bah, par exemple, t'as le T-34, ils ont mis comme une espèce de four atelier en soi, c'est ça. Hein, parce que t'as aucune c'est chez nous la nuque. Là, 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 devant, face de toi, face de toi, face de toi. Et encore, encore. je crois que ouais, t'as vraiment pas eu. Putain, mais t'as eu la tunnel vision pour le machin, tu l'as regardé passer devant toi. Et après, l'autre truc au fond, non, par contre, là c'est normal que tu l'aies pas vu, l'autre truc au fond, il est sorti de nulle part. Mais non, mais en vrai, c'est pas que j'avais tunnel vision, si j'ai regardé, c'est qui avait la nuque. Ah, putain, le bad timing, quoi. J'ai regardé, et du coup, c'est quand j'ai envie d'une face, mais oula. De la larguer parce que franchement ça passe. On peut le faire. Ah oui. Encore une fois. Oui. Oh ouais. Oui, y'a bien plus. Demain je rentre plus tôt, comme ça moi je pourrais faire un peu de War Thunder. Et c'est quoi, j'hésite à faire soit de l'avion, soit du. Genre, il faudrait que tu essaies de faire un peu d'avion parce que. Ouais, chaque fois tu pourras pas jouer avec nous, c'est dommage. Pas un truc après qui m'attire trop, mais non, mais moi non plus de base. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai pris goût un peu à l'avion. Là, la meilleure escouade que hey, t'inquiète, t'es sauvé. On a fait 4 kills. Ouais, c'est toi qui les a fait les 4 kills. Non, mais cumuler les deux, ça fait 4 kills. Hop. J'en ai que 3, t'en as un, ça fait 4. Hein. Parce que là, en pote, j'ai testé les jets, c'est fou comme c'est facile à jouer quoi. C'est enfin, en tout cas, au BR77, tout le monde crache dessus sur ce BR, mais. Je trouve que ça va là. Je suis en train de débloquer le Barougan. Qui a, je crois, des. Voilà, il a les roquettes Sneb en plus de l'autre. C'est tout ce qu'il a. Et après, il y a quoi que je prendrai. Ça là. Attends, je vais quand même pouvoir. Il est magnifique ce machin. Ça, c'est l'Amérique. Alors, par contre, seul problème, il a que de la 12-7. Quoi. Oui. Après, le 12-7 ça peine bien quand même. Ouais, mais à ce BR là, ça commence à faire un peu fragile, 12-7. Hein. Les avions à réac, vaut mieux de la bonne 20 mm avec des balles explosives parce que sinon. Ouais, hein. T'as plus de vélocité aussi, peut-être. Regarde, je vais te montrer comme ça vole bien mes machines. Attends, hein, j'ai quitté la squad juste pour le faire. Ah, non, t'inquiète. Hein. Je vais prendre la machine que j'ai déjà. Hein, comme ça. Sans, je rentre regarder ton stream, très clairement. Le test, mais je me spoil pas moi sur les prochains trucs. Genre, je fais pas d'essai des véhicules à l'avance. Genre, je les teste sur le tas. Moi non plus, j'en fais pas trop. Je sais que pour la mix 10 Acra, vu que je savais que c'était des missiles téléguidés, je suis allé avant en camp d'entraînement pour voir comment ça faisait. Au décollage, c'est assez bruyant, mais après, il n'y a plus aucun bruit. Voilà, là, il n'y a plus aucun bruit parce que c'est fermé. Ça souffle juste. Ah, t'as le petit rétro. Un petit rétroviseur, on voit que dalle d'ailleurs dedans. Ouais, c'est vrai que. Il est mal placé de fou. Ouais. On est en train de décoller. Numéro 3, vous voyez quelque chose? Non, négatif, rien. Bien reçu.
Et après, tu vois, là-bas, il y a une cible, par exemple. On va essayer de l'attaquer. Je sais pas si on va la rattraper. Je sais même pas ce que c'est les cibles qu'ils mettent dans ce truc-là, le chantier. Je sais pas, pas du tout. Je vois qu'il y a quelques cibles terrestres par-ci, par-là, éparpillées. Cible terrestre, tu dois avoir des... On n'a pas l'air d'y avoir grand-chose. Il y a deux avions, apparemment, là-bas. Il y a deux points sur la carte, en tout cas. Bon, là, déjà, je suis à 400. Oui, quand même. Le moteur est à 720 degrés. Je suis à 500. Là, tu vois, la vitesse, c'est autre chose, hein, déjà. Bon, après, là, oui. Ça va, je suis pas encore à... trop vite, hein. Je suis encore en train d'accélérer. Ah, t'es pas encore en whip, en plus. Le whip, il y en a pas sur celui-là. Ah, 600. Oui. Là, on commence à avancer, là. Là, ça... ça commence à aller vite. Ça souffle bien, comme on dit. Allez, viens, là, toi. Tu vois. Il va vite, ce machin. Je sais pas ce que c'est qu'ils ont mis, là. 640. Normalement, c'est le même BR que toi, en fait. Ouais, ça a l'air d'être la même. Pratiquement la même chose que moi, ça. Un jet que tu dois avoir. C'est un premier jet, ça, vu la gueule. C'est une espèce de cigare immonde avec quelques ailes fixées dessus. Et hop, comment cet enfoiré? Ah, cool. Ah, tiens. Allez, au revoir. Oh la vache. C'est quoi qui est parti là? Je sais pas du tout, mais il fume. Je pense qu'il y a moyen d'atteindre la vitesse du son. Ouais, la vitesse du son avec ça. On va voir, on va faire avec un piqué vers le sol. Je pense. Ouais, tu fais un piqué vers le sol, je pense que tu peux atteindre la vitesse du son. Peut-être. Si les ailes les tiennent. Les ailes elles tiendront, t'inquiète pas. C'est toi qui étais un avion qui avait les ailes qui tremblaient. Oui, mais ça c'est rien, ça arrive des fois, c'est les ailes elles sont mal fixées, c'est pas une erreur du pilote, c'est une erreur des gens c'est qui préparent les avions. On va prendre en vitesse déjà et ensuite on va faire le piquet. Là on a une hauteur, c'est parfait pour prendre en vitesse en plus. Oui. T'as combien de mots? 2006. Ah oui. Il y en a un autre encore plus en hauteur de mec là. T'as là déjà. C'est calme de fou. Ça fait aucun bruit ce moteur. J'ai pas de son, je peux... si je mets de son t'as un écho donc je peux mettre. Ouais ouais ouais. Vas-y, on est à 700 et là on va piquer. Non non c'est trop lent. Je pense que c'est possible mais je pense que les ailes elles tiennent pas. Attends 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 attends. Non, les ailes elles tiendront pas. Ça tremble à 1000 ah oui, km/h. Ah oui, ah oui c'est impressionnant comment ça tremble. Ouais, je suis à 1000, j'ai atteint les 1000 km/h en fait, ça allait vite. Hein. Heureusement que le pilote il a tenu. Hein. Ouais, le pilote il tient le coup, t'inquiète pas. Ah ouais, là on sent qu'on va vite. Là on sent que c'est autre chose. Oh. Tu m'étonnes. 930. 940 pratiquement km heure. En vitesse de pointe hein, non, de base, la vitesse de pointe de ça, c'est 800 et quelques. Je vais beaucoup trop oui. Vite. Les ailes tremblent encore. Oh, mais c'est léger comparé à tout à l'heure. Oh, j'adore ça. Bon, du coup, je vais vous laisser tout le monde. C'est la fin du stream. Hein. Mais on peut pas finir sans un bon move de japonais. Vous savez très bien ce qui va se passer. Il va se harakiri. Là-bas, il y a des cibles. Ouah, wow, surcharge extrême, 10G, j'ai pris compte. Oh, ça va. Voilà, plus tu le vis, plus tu prends des surcharges rapidement. Ah, hop. À la sauce. Une soirée. Allez, bonne soirée tout le monde.